Bonjour Tom. Bonjour Anne-B. Ben, merci d'être là ce matin. Tu te trouves où là? Parce qu'avec toi, on ne sait jamais. Alors là, je suis rentré en Belgique pour quelques jours parce que je suis venu donner des conférences en Belgique et du coup, je suis là pour 4 ou 5 jours, mais hier, j'étais encore dans les Açores, sur le bateau. Ah, voilà. Ok. Et justement, tu vas aussi être en... Tu seras en Belgique pour le festival Into the Blue? Non, malheureusement, je serai de nouveau sur le bateau dans les Açores, mais je pense que Sophia sera là. Mon épouse sera présente pour présenter le film. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce que tu vas présenter là? Alors là, c'est un film qu'on a fait il y a déjà un moment, en fait, il y a 2 ans, sur notre traversée de l'Atlantique, notre première traversée de l'Atlantique en famille. Et voilà, on a traversé l'Atlantique avec Jack, qui avait notre petit garçon, qui avait même pas 1 an. Et donc, c'est un peu cette histoire-là, tu vois, l'approche d'une aventure comme celle-là en famille, avec évidemment la gestion du risque, avec le petit grain de folie aussi qui va avec. Et voilà, cette aventure humaine. Et on était revenu avec des très chouettes images. Et puis l'année dernière, il n'y avait pas trop de certitude par rapport à Into the Blue. Enfin, c'était plus compliqué. On a présenté le film assez tard. Et donc cette année, on a dit, ah, ben, on va le présenter parce qu'il est quand même vraiment chouette. Et donc voilà, c'est un film assez court, mais qui est très chouette, je trouve. C'est très sympa. Oh, super, il n'aura pas pris une ride d'ici là, ça, il n'y a pas de problème. Non, Alors, non. on va. Est-ce que tu peux. Bah, c'est vrai que je commence toujours par se présenter. Là, on a commencé par parler de ton film, mais en quelques mots, tu peux te présenter? Bien sûr. Alors moi, je suis Tom de Dorlodot. Je suis belge. Je suis parapentiste professionnel et aventurier, navigateur au long cours, et j'ai la chance de vivre de ma passion depuis maintenant une vingtaine d'années. Yes. Comment tu en es venu au parapente? Et comment c'est devenu un métier? C'est le hasard ou t'avais vraiment cet objectif? C'est pas le hasard, mais disons que j'ai découvert le parapente assez jeune. J'avais 14 ans. J'étais en internat à Maredsous, en Wallonie, et puis j'ai un ami qui est arrivé avec son parapente à l'école, et je sais pas, on a commencé à jouer avec le parapente sur les terrains de foot, tu vois, à le gonfler dans le vent et tout ça. Et après 10 minutes, je me suis dit, mais ce truc est génial. Dès que mes pieds ont quitté le sol pour la première fois, il y a un petit saut de puce comme ça d'un mètre ou deux. Je me suis dit, mais c'est fantastique ce truc. J'ai eu une espèce de déclic. Et à partir de ce moment-là, en fait, le sport m'a plus lâché. Et j'ai plus lâché le sport. J'ai décidé de mettre toute mon énergie là-dedans. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. Et j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. Mais ce n'était pas gagné au départ. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu cher de. C'est un sport qui coûte un petit peu d'argent pour un gars de 14 ans. Et donc, j'ai monté une petite entreprise quand j'avais 16-17 ans qui faisait de la photographie aérienne avec des parapentes et des paramoteurs. Et du coup, c'était avant les drones et c'était avant toute l'époque de. Voilà, enfin, c'était les premières photos aériennes qu'on faisait en paramoteur avec les premiers appareils numériques. Et je les vendais au porte-à-porte le samedi. J'allais sonner chez les gens. Bonjour madame, bonjour monsieur, j'ai une photo de votre maison. Et ça a bien marché. Et en fait, avec ça, j'ai pu me payer mes premiers frais d'expé, mon matériel performant, mes frais de compétition. Et puis petit à petit, les choses se sont mises en place. Et après, j'ai fait des études de com, des études de réalisation ciné. Et puis les choses se sont mises en place assez naturellement. Je suis parti habiter en Espagne pour étudier là-bas. Et là, j'ai rencontré les meilleurs pilotes au monde. Et en fait, je me suis fait doucement une place dans ce monde-là. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance de vivre de mon sport, quoi. Wow, super chouette. À 17 ans, je suis passé en paramoteur entre les deux tours de Maredsous, Ah quand j'étais encore étudiant, quoi, ouais? quand j'étais encore Oh, la élève. frime. Et donc, j'ai décollé sur les terrains de foot un peu en mode guérilla style, tu vois, secret. Et puis, je suis passé au-dessus de l'école en passant à travers les tours de Maredsous. Mais vraiment, j'avais 1 mètre de chaque côté, tu vois. C'était limite. Oui, La première ah fois que je suis passé, j'étais pas certain que ça passait, tu vois. oui. Et Oui. Soit ça puis, je me passe, suis soit on fait devra venir me convoquer. décrocher. Voilà, ouais, je me suis fait convoquer Avec les chaînes de pompe. par le préfet de Oui, discipline qui m'a j'allais dit, dire, et monsieur le ouais, préfet était content? c'est toi qui volais là. Puis je dis, mais non, mais il faut être un pro pour faire ça. Il faut être super expérimenté. C'est en tout cas pas moi. Et puis, le lendemain, j'ai recommencé. Et là, les élèves se sont couchés sur les terrains de foot et ils ont écrit Tom, tu vois, en se Ah oui. couchant sur le sol. Et alors là, je me suis fait griller, je me suis refait convoquer, puis il a fallu que j'arrête. C'était Jeannard ou c'était celui d'avant? C'était Jeannard, ouais. Ouais. Donc, ouais. C'était, enfin, on a eu Monsieur Crespin, et puis après Jeannard, ouais. C'était Crespin, ouais. D'accord, oui. Bon, je les vois très bien qui c'était tous les deux. C'était des papas de copains à moi. Ouais, des Donc moi je les connaissais de figures. l'autre côté. Oui. Figures de Maredsous. Tout à Tout à fait. fait. Allez, on va revenir à nos moutons. Alors techniquement, le parapente, c'est compliqué à apprendre?
Non, c'est probablement un des sports aériens les plus faciles à apprendre parce qu'en fait, en passant quelques journées sur ce qu'on appelle une pente-école, à gonfler ton parapente et apprendre à le maîtriser un peu dans le vent, tu peux assez vite arriver à décoller tout seul en fait. Non, non, c'est pas un sport compliqué à apprendre et ça l'est Décoller, encore en moins. général, ça va, mais atterrir, ça va aussi? Faut Ça va aussi, on finit toujours par atterrir, hein, tu vois. pas. Oui, certes. Mais disons que, ouais, non, c'est un sport et surtout, je dirais. Ces dernières années, parce que le sport a énormément évolué, le matériel a très fort évolué, les formations ont évolué à fond aussi. Quand on a commencé le parapente, il y a presque 20 ans, il y a 20 ans, bah, c'était pas le même sport, tu vois, pas avec le même matériel. Aujourd'hui, il y a une sécurité passive incroyable, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le parapente, on en voit de plus en plus, c'est très chouette. C'est un sport qui explose pas mal et c'est très accessible. Et ça reste, même si c'est un peu coûteux d'acheter du matériel, ça reste le sport aérien probablement le moins cher. Ouais. Avant, j'aimais bien qu'on disait, ah, faut faire attention de ne pas se fracasser ou de se faire prendre dans un ascendant. Ou... Ça va, c'est plus facile maintenant? Les voiles sont plus faciles à manœuvrer pour éviter ce genre de truc? Ou on Les apprend voiles sont mieux ou... plus faciles. Je crois qu'on apprend mieux. Les Ouais. gens approchent le sport avec plus d'humilité. Il y a plus de connaissances, en fait. Comme il y a plus de connaissances, il y a moins de surprises. Je pense que les gens comprennent qu'il faut être un petit peu encadré. Mais c'est vrai que, bon, un accident en parapente, c'est toujours douloureux. C'est souvent grave. Donc il vaut mieux l'éviter, quoi. Mais non, là, on a vraiment une fédération en Belgique qui est très efficace. On a des écoles qui sont vraiment très, très chouettes et qui donne des cours super qualitatifs. Monsieur et madame tout le monde peuvent apprendre à voler en parapente. Alors, on a des pilotes du dimanche qui se font le petit vol tranquille dans des conditions supra-relax. Et puis, tu as les pilotes un peu plus engagés, qui volent dans des conditions plus fortes, qui essayent de faire de la distance et tout ça. Mais ça vient avec le niveau. Et en Belgique, on a finalement assez peu d'accidents. Ouais, cette année, ça a été vraiment calme. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, tu parles de la distance. Attends, toi, tu as déjà fait des distances pas mal quand même en parapente. C'était quoi ta plus longue distance et c'était où? Ah, c'est une bonne question. J'ai fait pas mal de vols de distance au Brésil, des vols de plus de 200, près de 300 km. J'ai jamais vraiment couru derrière les kilomètres, mais tu vois, j'avais fait le plus long vol en Himalaya, au Pakistan, Oui, ça, on va en qui parler, faisait ouais. 200, presque 230 km, tu Ah vois, dans un des endroits les plus reculés au monde. Et en Belgique, j'ai déjà fait des vols de près de 200 km. Et c'est vrai que c'est assez fantastique. Des fois, tu décolles l'année mais t'as dernière, j'avais traversé la décollé. frontière alors. C'est tout petit la Ouais, Belgique. tout à fait. L'année Tu dois bien dernière, viser j'ai. avec 200 km pour pas nous dépasser. Tout à fait. Ouais. L'année dernière, c'était marrant. J'ai décollé de Revin, donc ça, c'est en France, à la frontière française. J'ai traversé la Belgique. J'ai posé sur le décollage de Caux, parce qu'il y avait des amis qui volaient en parapente ce jour-là, donc près de Liège. Et puis, j'ai dit bonjour à tout le monde. J'ai redécollé de là, tout de suite, dans les 10 minutes, et j'ai atterri en Allemagne. J'ai traversé la Belgique d'un bout à l'autre en un vol. Wow. Et ça c'est génial, ça te donne un sentiment de liberté complètement fou. Et Ah ouais, puis c'est ça, ouais. tu vois vraiment des paysages magnifiques. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai redécouvert vraiment la Belgique ces 2, 3 dernières années en faisant des vols de distance, parce que tu sais toujours où tu décolles, mais tu sais jamais où tu atterris. Et donc tu atterris chez les gens, tu vois, dans les petits villages et tout. Et puis moi, nous, depuis 2, 3 ans, on a une émission sur RTL qui s'appelle Explore. Et donc, on passe un petit peu en télévision avec notre projet. Et alors, tu arrives chez les gens. Et puis, ah, vous êtes le gars de la télé, machin. Je me suis retrouvé invité à des barbecues, tu vois, Ah, trop sympa. chez les gens. L'année dernière, j'ai posé chez les gens. Ils m'ont invité à me jeter dans la piscine, tu vois. C'était en été. Ah, bah, aller nager, machin. Enfin, c'est assez drôle. Et donc, non, Donc c'est toi, tu nous chouette. fais Je j'irai fais des voler belles chez vous. rencontres. Ok. Voilà, ouais, j'avais proposé un projet comme ça qui était, tu vois, au lieu de j'irai dormir chez vous, c'était j'irai atterrir chez vous, Voilà. tu vois, en disant bah ouais, je décolle et puis je vais poser chez Jean, puis on voit ce qui se passe, quoi, tu vois. Ça pourrait vraiment être sympa, je pense qu'on va le faire un de ces Ah ouais, jours. c'est drôle ça. Ah ouais, trop Ouais. sympa. Ah oui, alors tu as parlé de vol en Himalaya, ça m'intéressait, c'est dans mes questions, on peut en parler maintenant. Tu es parti du côté du K2, c'est ça? Hein, de la Karakoram et tout ça, Ouais. hein? Tout à fait, là, je viens de revenir d'une expé qui était certainement une des plus intenses de ma petite vie d'aventurier, Oh, tu m'étonnes. où en fait, je suis allé 6 fois au Pakistan ces dernières années. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas parce que c'est probablement un des meilleurs endroits au monde pour voler en parapente. Ah oui, C'est pourquoi? un petit peu bah, le décor, quoi. Je dis toujours, c'est un peu comme Hawaï pour les surfeurs ou l'Alaska pour les skieurs, tu vois, Pakistan pour la taille de ces montagnes, pour la puissance des conditions de vol, tu vois, les altitudes que tu peux atteindre, les distances que tu peux faire. C'est de loin ce qui se fait de mieux, avec probablement l'Inde, l'Himalaya chinois peut-être, mais on ne peut pas encore trop y mettre les pieds.
Mais c'est toute une région qui est juste exceptionnelle. Tu vois, tu dois imaginer que c'est les Alpes et tu multiplies tout par trois en termes de hauteur, de grandeur, d'altitude. C'est juste un autre niveau. Et donc, on y retourne d'année en année parce que c'est ce qui se fait de mieux, puis c'est ce qu'il y a de plus engagé. Et cette année, on y est allé avec l'idée d'être les premiers à voler le K2, à voler sur le K2, à atteindre le K2 en vol. Et on avait secrètement l'envie d'essayer de battre le record du monde d'altitude. Donc, on voulait tenter de passer la barre des 9000 mètres. Le record, pour le moment, est à 8400. Et en fait, l'idée pour le faire, c'était d'atteindre le K2 en vol et puis de le remonter en utilisant les vents et les ascendances pour remonter au-dessus du K2 et puis survoler le sommet du K2, qui est à 8600 mètres. Et donc, on est parti avec toute une équipe, avec une logistique assez bien préparée, assez huilée, avec mon ami Horacio Lorenz. Et l'idée, c'était ça, c'était de voler jusqu'au K2. Et en fait, la difficulté, c'est que pendant plus de 100 km sur un vol d'aller-retour au K2, tu fais plus de 100 km en vol sans possibilité d'atterrissage. Donc, tu es toujours au-dessus d'un glacier avec une moraine hyper agressive, avec des rochers grands comme des maisons et des crevasses partout. Donc, tu sais que atterrir, ce n'est pas une option. Tu dois rester en l'air, tu dois trouver des ascendances pour pouvoir faire toute la distance aller-retour sans risquer d'aller te casser les deux jambes en atterrissant à 5000 mètres à 55 km heure, quoi. Et donc c'était très très compliqué et ça demandait vraiment une préparation assez dingue. Mais assez vite, en fait, on a trouvé l'accès au K2. Et sur le mois d'expédition, on a atteint 4 fois le K2 et 5 fois le Broad Peak, plusieurs fois le Gasherbrum aussi, qui sont 3 sommets de 8000 mètres. Et chaque fois, en arrivant au K2, on était à plus de 7000 mètres. On se disait, OK, cette fois-ci, c'est la bonne, on va remonter, on va trouver du vent. Et en fait, on a eu très peu de vent en altitude. Donc, on a eu des conditions exceptionnelles pour faire des super vols en toute tranquillité et en toute sécurité. Mais on n'avait pas de vent en altitude pour nous permettre de remonter sur les faces du K2. On arrivait sur les faces, ça montait tout juste pas ou un tout petit peu, et puis ça s'arrêtait. Donc on a atteint l'altitude de 7560 mètres, ce qui était déjà assez dingue parce que de là, tu vois la Chine, tu vois l'Inde, tu vois le Nanga Parbat à 185 km. C'est absurde, c'est hallucinant de beauté. Et donc voilà, ça c'était la dernière expé. Et là, tu Et on est as revenu un... avec un film assez dingue. Ouais. Et là, tu dois... Comment tu gères pour l'oxygène, hein? Bah justement, tu vois, en termes de préparation, c'est vraiment très, très pointilleux parce que, évidemment, tu n'as pas le temps de t'acclimater pour. Enfin, tu pourrais t'acclimater, et on le fait d'ailleurs, mais personne n'est prêt à monter de 3500 mètres du décollage à 7000 mètres en moins de 10 minutes, quoi. Tu vois, et les bonnes journées, c'est ce qu'on faisait. On décollait, on trouvait une ascendance à 6, 7, 8 mètres par seconde et on montait à 7000 mètres en 12 minutes, quoi. Là, physiquement, le corps humain n'est pas tout à fait préparé pour ça. Donc, il y a évidemment le problème de l'oxygène. On avait une bouteille d'oxygène avec des canules dans le nez et on avait un petit oxymètre accroché au bras qui mesurait le taux d'oxygène qu'on a dans le sang. Et comme ça, en direct, on pouvait voir si on était bien ou si on prenait trop de risques. Et Alors puis c'est un poids en après. plus à gérer. Et c'est chaque petit détail, tu vois. S'il y a un truc qui foire, c'est tu perds connaissance dans la minute, quoi. Enfin, donc tu dois vraiment être sûr. On a des backups, on vérifie tout 10 fois avant de décoller. Enfin, c'est exactement comme si Ça tu n'aide faisais de la pas à plongée monter, quoi, sous-marine en d'avoir de profondeur, quoi. l'oxygène avec soi. Ça Parce que aide tu pas t'alourdis, quoi, à je veux dire. monter. Ouais, tu t'alourdis. Alors là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on volait avec des parapentes plus grands, avec tout du matériel adapté pour tout le poids qu'on allait prendre avec nous. Mais non, ça t'aide pas à monter. Après, ça t'aide à rester concentré en vol. Ça t'aide à avoir toute ta tête, parce que dès que tu es en hypoxie, tu vrilles, quoi. Tu te mets à chanter, tu parles aux montagnes, tu sais plus très bien comment tu t'appelles. Et bon, il faut être extrêmement concentré pour des vols de ce type-là. Et puis après, tu as la problématique du froid, qui est quand même vraiment Ouais, j'allais intéressante et dire, importante. ça gèle pas la voile ou enfin Tout gèle. En fait, gèle. tu voles à moins 20, moins 25. En ressenti, tu peux toucher du moins 30. Donc, si tu ne rentres pas dans les nuages, il n'y a pas d'humidité ambiante. Donc, tu vas pas être couvert de glace, quoi. Mais dès que tu rentres dans un nuage et que tu sors, tu sors vraiment du congélateur, quoi. Et donc là, il faut faire très Hibernatus. attention aux batteries, par exemple, tu vois, les Ouais. batteries des régulateurs d'oxygène et tout ça, et ça fonctionne avec des piles. Elles détestent le froid. Donc, même Ouais. chose pour les GoPro, les caméras qu'on utilise et tout ça. Donc, c'est très intéressant. On était suivis par une équipe de scientifiques anglais, des médecins qui ont vraiment. Ça fait plusieurs années qu'on analyse nos données en altitude, tu vois, quand on monte très vite. Donc, on a un système, un espèce de t-shirt spécifique qui mesure
notre pression, notre rythme cardiaque, tu vois, l'ampleur de nos des respirations qu'on des bouffées d'air qu'on prend, le régulateur, l'altitude. Et donc ils s'occupent de corréler un peu toutes ces informations, et on a tiré des enseignements super intéressants. Et par exemple, il y a un truc qui est vraiment étrange. Moi, c'était il y a 3 ans ou il y a 4 ans, en 2017. Ils se sont rendus compte qu'au-dessus de 7000 mètres, mon rythme cardiaque baissait. Ah oui. Et normalement, c'est le contraire, en fait. Normalement, pour faire circuler plus d'oxygène dans ton sang, ton rythme cardiaque augmente, pour faire circuler plus d'oxygène dans le corps. Mais en fait, dans mon cas, mon corps se met en veille et donc se dit, OK, on focalise sur les organes vitaux, Ah, on comme en ralentit le apnée. cœur. Et comment on appelle? Voilà. Et c'est pour ça que Marrant je t'en ça. parle, parce que c'est probablement parce que je fais de l'apnée que mon corps Ah oui. fonctionne comme ça. Ouais, j'étais en Tu vois, train de me dire. les autres n'avaient pas ça, j'étais le seul. C'est comme les oiseaux migrateurs, ils font la même chose à très haute altitude. Et je fais pas, tu vois, j'ai pas un très gros niveau en apnée, mais je descends T'en fais régulièrement? vraiment. Ouais, j'en fais Ah ouais, régulièrement, donc je ton corps descends. a ses réflexes là, on va dire. Il a compris, et tu Ouais. vois, je suis très confortable à 25, 28 mètres, 30 mètres à mon avis, sans trop de problème, je peux descendre et monter. Et donc, il a ces réflexes-là. Ouais, c'est amusant. Génial. Et Ah ouais, c'est top ça. bon, ce qui aussi parfois peut être dangereux, parce que tu vois, par exemple, typiquement, vraiment sur les grosses montées rapides sans oxygène, je sens plus mes mains, je sens plus mes pieds, parce que mon corps se focalise sur les organes vitaux. Or, t'as quand Alors même là, quand besoin tu de ne pouvoir sais plus manipuler ta piloter, voile, ouais. Oui, c'est si, c'est chaud. embêtant ça, oui. Mais c'est très intéressant. Alors, on avait Ah un ouais. très très bon système de communication en l'air aussi avec Horacio, mon ami espagnol, et on pouvait parler en live, en vol. On volait toujours à deux pour s'aider ou s'entraider à trouver les ascendances, à trouver les bonnes lignes de vol. Et on est revenu avec des images incroyables. Ce qui est génial, c'est que Ouais, pour j'en la avais première quelques-unes, fois, ouais. ouais, tu vois, pour la première fois, on avait des caméras super qualitatives, faciles à utiliser, avec des cartes mémoire interminables et des batteries qui tiennent le coup longtemps. Et on a fait des images incroyables. Enfin, Ouais. la première fois qu'on est allé au Pakistan, c'était en 2009, j'avais un Canon 5D qui pesait 2,5 kg sur la tête, sans stabilisateur. Je devais faire la chicken head, tu vois, pour stabiliser le truc. On avait des cartes mémoire qui faisaient 12 minutes max sur Ouais. des vols de 6 heures. Tu vois, tu devais vraiment sélectionner ce que tu faisais. Ouais. Et maintenant, avec les GoPros, c'est hallucinant. On est revenu avec des images que personne n'avait jamais fait, parce que même les hélicoptères ne montent pas à plus de 6000 mètres là-haut. Du coup, ouais, je pense que le film, il est assez, assez fou. Et cette fois-ci, on a décidé de tout filmer nous-mêmes, vraiment plutôt dans un mode. Le contenu est roi, on n'est plus sur des grosses équipes de production. Tu sais, on a tout filmé à la main avec des iPhones, avec des GoPros et tout ça. Et ça se ressent, je trouve, dans le film. Il y a quelque chose de très, très authentique comme ça, Ouais. qui va être chouette. Donc là, on est en train de fine-tuner le film, et je pense que dans un mois et demi, il sortira. Je pense que ça va vraiment être pas mal. On voit déjà quelques images sur tes réseaux. Sur YouTube aussi, on peut trouver dans le Search Project, hein, c'est ça, hein, c'est là qu'on Ouais, trouve on tes a. choses. Je mettrai les liens dans les Sur notes de Vimeo, l'épisode. ouais, Ouais, sympa. trop trop bien, trop trop bien. Eh bien, j'ai une question de ma petite fille. Je crois que tu as déjà répondu en partie. Tu sais, bah, toi aussi, tu as des enfants, tu as envie de leur partager plein de choses. Donc moi, je me dis, bah, voilà, je parle souvent avec des personnes tellement intéressantes. Ce serait dommage de ne pas les faire participer à ça. Je sais plus laquelle j'ai enregistrée en premier. Dis donc, attends, on va voir un peu. Trop mignonne. Ça, c'est celle de bientôt 8 ans, dimanche 8 ans. Génial. Mais en fait, ce qui est vraiment fantastique avec le parapente en montagne, c'est que on change de point de vue. Tu vois, du jour, enfin, on devient un oiseau, on devient un aigle, on voit les montagnes vues du ciel. Les montagnes, c'est toujours très impressionnant en vue du sol. Je trouve que ça nous écrase un peu, ça nous fait peur, ça nous impressionne. Et puis dès qu'on les survole, là, on est au-dessus et on découvre ces décors qui sont juste incroyables. Moi, le parapente à la base, au sens plus large, je dirais, c'est vraiment ce qui me passionne dans tout ça, c'est les endroits où ça m'emmène. Que ce soit en montagne, mais parfois on survole des déserts, parfois on survole des dunes, parfois on Des champs survole de tulipes. des champs de tulipes, ouais, des chaînes de montagnes entières. Et ce qui est génial, c'est que en montagne, si tu traverses une chaîne de montagnes à pied, tu en as pour un moment, quoi, et c'est très difficile. En parapente, ça semble facile. Tu prends 1000 mètres d'altitude et puis tu traverses des chaînes de montagne en 2-3 heures. Tu fais un vol qui t'aurait pris 2-3 semaines à pied pour parcourir la même distance. Donc, c'est assez, assez fantastique. Ça permet vraiment de. Enfin, il y a un sentiment de liberté assez incroyable.
de traverser comme ça des étendues sans fin. Moi, ma spécialité pendant des années, et c'est toujours le cas maintenant, c'est la traversée des chaînes de montagne, justement à pied et en parapente, en autonomie complète. On appelle ça le vol bivouac. Donc, tu pars avec ton parapente, avec un sac de couchage, un matelas pneumatique, un peu de bouffe, une lampe de poche, un bouquin, et puis tu te perds en montagne et tu traverses. J'ai traversé par exemple l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, c'est presque 1 000 km à pied en parapente, ou les Pyrénées en solitaire, ou les Alpes presque une dizaine de fois. Et c'est génial parce que tu fais vraiment des milliers de kilomètres juste avec une paire de baskets et un parapente sur le dos. Oui, Donc ça a vachement c'est très évolué. minimaliste. C'est aussi, tu dis, c'est une bouteille d'eau maintenant, un parapente en gros. Enfin, Ouais. c'est dingue. Ça, c'est vrai que c'est génial. Tu vois, la première fois que je suis parti, on a une compétition qui s'appelle le Red Bull X-Alpes où on traverse les Alpes à pied en parapente le plus vite possible. C'est un peu le Vendée Globe du parapente. Tu vois, une des Ouais, j'allais t'en compétitions parler, mais voilà, on peut en parler maintenant, super, les ouais. plus connues dans le domaine. Et en C'est fait, combien de kilomètres ça, puisque. cette année, ça va être 1200, 1300 km. Ok. Et donc, on fait ça en une semaine, tu vois, un peu plus d'une semaine. Mais la première fois que j'ai participé en 2007, mon sac faisait 15 kilos. C'était un des plus légers à l'époque, 14-15 kilos. Et aujourd'hui, j'ai un sac qui va faire 6 kilos. Et c'est le matériel est beaucoup plus performant. Donc, c'est hallucinant, tu vois. Et on a d'ailleurs ramené des choses du monde de la voile, tu vois, des tissus, des manières de travailler avec du dynéma, tu vois, avec des matériaux que les voileux utilisent pour développer nos sacs à dos, développer nos parapentes, développer nos voiles, les structures internes et tout ça. Ça, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait dans la voile avec du tissu pour les skis, par exemple, qui sont extrêmement légers mais très résistants, du Cuban fiber, des choses comme ça. Et on a ramené tout ça dans le parapente et ça a permis d'alléger vraiment le matériel. Donc, on fait des liens entre les deux mondes qui sont super intéressants aussi. Ouais, c'est chouette parce que enfin, déjà comme ça, j'avais entendu une interview de toi à la Coupicard Ouais. où tu parlais justement que ce sport était de plus en plus hybride, alpinisme et parapente, ou voilà, comme tu fais marche, rando et parapente, etc. Et finalement, c'est encore plus hybride que ce que je croyais, puisqu'il y a, il y a des choses dans la technique qui viennent d'ailleurs aussi, et tout ça s'enrichit, c'est trop génial. Hein. À fond. Et tu vois, avant, un parapentiste avait un parapente et il faisait du parapente. Et maintenant, tu vois, il y a le hike and fly, donc c'est monter une montagne et puis la redescendre en vol. On a des voiles qui font en effet autour de 1 kilo, 1 kilo et demi, et qui volent super bien pour faire des ascensions comme ça. On a des voiles de distance pour vraiment faire du cross, où là, les gars, ils volent 300, 400, 500 km sur des distances incroyables. On a des voiles de voltige pour faire de l'acrobatie. Et en fait, dans le sport, maintenant, il y a 5 ou 6 sports différents, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très chouette. Tout le monde y trouve un peu son compte. Mais j'avais été très étonnée quand vous aviez dit, mais j'ai ouais, non, c'est tout à fait exact, que ça pouvait vraiment même être un atout sécurité pour des alpinistes ou des gens qui montent, parce que souvent, ben, redescendre, le soleil a tapé, donc il y a À plus de fond. risques à la descente, et donc redescendre à la voile, finalement, enfin, parapente, je veux dire, c'est pas À fond. mal, quoi. Écoute, moi, j'ai fait 5 fois le Mont Blanc. Et je suis redescendu qu'une fois à pied. Ben oui. Et c'est sûr que quand tu décolles du sommet et que 40 minutes plus tard, tu es à la boulangerie de Chamonix pour prendre un croissant, tu vois, c'est fantastique, quoi. Alors Ouais. qu'un classique du Mont Blanc, une descente, c'est des heures et des heures. C'est une journée à te bousiller les genoux pour redescendre avec le risque de te mettre dans une crevasse, de prendre une chute de pierre. Donc c'est clair qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant, surtout qu'aujourd'hui, comme tu le disais, pour le poids d'une bouteille d'eau, tu as un parapente ultra light. Donc à ce niveau-là, c'est assez génial, ouais. Alors, c'est top. Ouais. Et puis, c'est très facile à décoller. Ces petites voiles, tu les jettes en l'air, elles se gonflent. Ah, c'est C'est marrant juste parce qu'avant on fantastique, dit quoi. toujours parapente dangereux, etc. Et puis en fait là c'est parapente sécurité. Tu dis ah ouais, ça a vraiment changé quoi. Ouais, après, tu vois, quand tu pars sur des ascensions comme ça, tu regardes quand même vraiment la météo, parce que si tu fais pas gaffe à la météo, tu as une chance sur deux de ne pas pouvoir voler. Donc, en général, tu pars du coup dans des bonnes fenêtres météo. Mais c'est clair que ça peut te sauver. Moi, j'ai un pote qui s'est pété la cheville, tu vois, sur une ascension. Et donc, ça a traîné, ça a traîné. Vu qu'il savait plus se déplacer et tout, il avait le pied qui commençait à... Enfin, les orteils commençaient à geler. Donc, c'était vraiment, vraiment pas fun. Et puis, il a été descendu en parapente par un gars qui était en biplace avec un ami à lui, mais qui a dit, bah, écoute, mon ami va descendre à pied, et tout, je vais te prendre un parapente. Et il l'a ramené dans la vallée comme ça, quoi. Voilà. Ah Ouais. ouais, cool. Un peu moins Ouais, cher que prochain. l'hélico Bientôt les aussi. secours en montagne et en parapente, ce Mais sera ouais, pas mal. mais attends, c'est pas bête. Non, c'est intéressant quand même. Hein. Bon, c'est pas, comme tu dis, c'est pas par toutes les météos, mais sinon, ouais, non, c'est vachement bien. C'est Ah ouais, vraiment je t'ai dit, sympa. la dernière voile que j'ai reçue, là,
Elle pèse, ça doit être autour de 2,5 kg, et elle rentre dans un petit cartable. Je le prends avec moi en cabine quand je prends l'avion, quoi. Ouais, Et alors, les incroyable. gens la voient passer dans le scanner, ils disent, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est mon parachute. Tu veux C'est sortir quoi ce drap? par la sortie de secours ou quoi? Tu vois, les gens se posent un peu des questions, mais c'est C'est drôle. ça. Alors ton projet, le Surge Project, il t'a amené à voler dans un endroit incroyable. Tu peux parler justement de ce projet? Oui, écoute, on se rendait compte que, je dis on, parce qu'on a toute une petite équipe autour de ce projet, mais moi, je voyageais beaucoup pour voler en parapente. Et en fait, j'étais à la recherche des endroits les plus beaux pour voler et puis pour essayer de repousser un peu les limites de mon sport. Et très vite, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais? C'est quoi, tu vois? Bah, il fallait définir un peu le concept. Je me suis dit, bah, je suis à la recherche des endroits les plus incroyables pour voler et j'essaie de revenir avec les images les plus belles pour faire rêver les gens. Et donc, on a appelé ça le Search Project. Et du coup, on a commencé à vraiment creuser un peu. On a traversé l'Afrique du Nord au Sud en volant un peu dans tous les pays. On est allé en Amérique du Sud, on est allé en Asie, on est allé. J'ai voyagé dans près de 60 pays dans le monde pour voler en parapente et pour le Search Project. Et chaque fois, on faisait des films, des épisodes, des web clips, des émissions télé. Voilà. Et puis, très vite, on s'est dit, ouais, c'est top de voyager comme ça, mais c'est pas la manière la plus clean, tu vois, de faire monter 10 personnes dans un avion, toute une équipe de production, 600 kilos de matériel. On avait un peu un problème avec ça. Et après notre voyage, je crois que c'était après la traversée de l'Afrique, je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut réimaginer le concept? Et là, on a fait un projet en Polynésie française sur un bateau. Et je me suis dit, mais en fait, un bateau, un voilier pour se déplacer, pour voyager, pour aller à la recherche des endroits les plus incroyables pour voler, c'est juste canon, quoi. Ouais, C'est être super cohérent en plus. clean. Voilà. S'il y a Et encore le donc, on a vent. passé 3 mois sur un bateau en Polynésie française. On a vraiment sillonné toutes les îles de la région et on a fait des très belles images. Mais encore, pour aller en Polynésie, on avait dû monter dans l'avion. Donc là, on s'est dit, OK, maintenant, il faut reprendre le truc et il faut améliorer le concept. Et puis, il faut être irréprochable éthiquement parlant. On est dans un monde qui change très vite. On parle de plus en plus du réchauffement climatique. Nous, on est des amoureux de la nature et tu vois, on n'est pas tout à fait cohérent. Bon, on est tous plein de contradictions, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Faut pas attendre d'être Mais parfait. je trouve que, tu vois, voilà, on peut pas prétendre de parfait, mais aussi quand tu as une audience, que tu es suivi ou que tu as une émission télé, que tu as une voix, même aussi petite soit-elle, je pense qu'on a aussi la responsabilité d'essayer de communiquer à ce niveau-là. Et donc, on Yes. s'est dit avec Sophia, bah, on va retaper un bateau. Et on a trouvé un voilier au port de Bruxelles. C'est le bateau Donc Sophia, c'est ton épouse? Ouais, c'est à fait. On a trouvé un bateau qui était abandonné au port de Bruxelles. Jusque-là, je ne savais même pas qu'il y avait un port à Bruxelles. Tu vois et puis, on a contacté le propriétaire qui, malheureusement, avait eu des soucis de santé. Il avait dû sortir son bateau de l'eau et le bateau pourrissait un petit peu hors de l'eau depuis 7 ou 8 ans. On s'est lié d'amitié avec lui et il a accepté de nous le vendre. Et puis, on a travaillé pendant 6-7 mois sur le bateau et on l'a entièrement retapé. Et on est parti du port de Bruxelles avec très peu d'expérience en navigation. Honnêtement, en quittant le ponton du brick, on était avec un ami qui savait plus ou moins faire la manœuvre. Mais moi, j'aurais pas été capable de faire la manœuvre pour sortir le bateau et partir, quoi, tu vois. Donc, on a appris sur le tas. Et alors, bon, la vie fait bien les choses, tu vois. J'étais un jour dans un refuge de haute montagne avec des aventuriers aussi. Avec Nicolas Favresse, Joël Villanueva, que tu connais peut-être. Oui, Et tout à fait. on a rencontré un gars qui fêtait son anniversaire ce soir-là, un type très sympa, qui s'appelle Donatien Carme, mais qui était le préparateur des bateaux de la Route du Rhum Ah pour oui, Johan tiens. Richomme, qui a gagné 2 fois la Route du Rhum. Ah ben oui, ça va. Et donc, on s'est super bien entendu. Et puis, le gars me dit, ah, mais moi, je suis préparateur de bateaux, et tiens, machin, ok. Ah, moi, je suis parapentiste. Et là, il me dit, ah, mais je rêve d'apprendre le parapente. Et je dis, ça tombe bien, je rêve d'apprendre à naviguer. Et donc, le gars Top. est monté sur le bateau avec nous. Il est passé un mois et demi à bord sur la première partie. On a navigué jusqu'en Méditerranée, jusqu'à Majorque, de Bruxelles à Majorque, où on se mariait d'ailleurs avec Sof. Et entre-temps, moi, je lui apprenais à voler. On parlait pendant les navs de techniques, d'aérologie, de stratégie de vol et tout ça. Et aujourd'hui, le gars vole ultra bien. Souvent, c'est les mecs qui ont des cerveaux quand même un peu conditionnés pour ce genre de truc, tu vois, Ouais. très, très méticuleux. Et c'est une bête. Il vole super bien aujourd'hui. C'est pas moi qui lui ai tout appris. Hein. Tu vois, après, il a fait des stages. Il sait. Mais donc, ça a été un moment de, ouais, un super partage, ultra intéressant. Et là, on a vraiment appris à naviguer avec lui. Et puis, on a fait un tour de l'Atlantique assez complet. Hein. Tu vois,
On est descendu du coup de Bruxelles jusqu'en Méditerranée, on s'est marié à Majorque, puis on a fait toutes les petites îles dans le coin, puis on est ressorti par Gibraltar, on est allé dans les Canaries, on a fait toutes les îles Canaries. De là, on est remonté vers Madère et puis vers les Açores. On a fait les Açores et puis on est monté en Irlande, en Écosse, en Norvège, en Suède. Alors, on a fait vraiment un chouette tour, on est redescendu dans les Canaries. Après, on a traversé Canaries-Açores, puis on a fait Açores-Cap-Vert, Cap-Vert-Atlantique. Là, c'est Ça, quand on c'était a traversé avec l'Atlantique avec Jack Jack, est ouais. arrivé, ouais. Voilà. Et puis de l'autre côté, on s'est retrouvé. C'était une période compliquée parce que de l'autre côté, on s'est retrouvé dans les Antilles. Les 2 premiers mois sont très bien passés. Et puis Covid. Covid, ouais. Et là, on Il s'est y avait retrouvé. pire pour être confiné quand même comme endroit. Hein. Vous avez des vidéos, j'ai vu, j'ai dit, oh, ça va, on va pas trop les plaindre. On dit pas que c'est facile Non, tous les non. jours, hein. Quand on n'a pas choisi, bon voilà, c'était des Mais contraintes, mais c'était pas mal. on a été très résilients et on s'est super bien adapté. En fait, on a très vite compris que les pays, enfin les îles françaises, ça n'allait pas bien se passer parce que là, les gens ne pouvaient pas sortir de leur bateau, ne pouvaient pas nager autour de leur bateau. Oui, ça Et donc, c'était dingue. Ouais. c'était fou. Enfin, Ouais. le truc a été géré super mal. Et donc, tous nos amis français retournaient vers les îles françaises en se disant, bon, autant être en France. Et nous, on s'est dit, on va aller vers l'île la plus relaxe de toutes, où pour le moment, il n'y avait pas encore de cas. Et on est le dernier bateau à avoir pu rentrer sur l'île d'Antigua. Alors, en arrivant, on a perdu notre hélice. Enfin, ça a été toute une histoire. On a fait une marche arrière en arrivant au ponton et l'hélice s'est décrochée. Ah Bateau ouais. continue tout droit. Ouais, pas top. Mais on a remis le bateau à l'eau. Enfin, on a trouvé une hélice sur un vieux bateau abandonné. On a remis le bateau à l'eau. On a été se planquer dans une baie. Et on est resté là-bas 2 mois et demi avec 10 autres bateaux qui sont devenus tous nos amis. Et puis on vivait de poissons et de chasse au harpon. Voilà, on était sur une île déserte, donc personne ne nous La dérangeait, on faisait du kite toute la journée. Robinsonade de Oui, à fond, 2020. c'était vraiment une époque très particulière. Ouais. Et puis, il fallait ramener le bateau. Et là, on ne se voyait pas de refaire une transatlantique retour, qui est quand même nettement plus sport que Compliqué, la ouais. transatlantique aller avec Jack. Donc, on a trouvé un moyen de les faire rapatrier. Et puis, moi, je suis parti en solitaire, j'ai traversé l'Atlantique en solo jusqu'aux Açores. Et arrivé aux Açores, ils m'ont dit non, désolé. Vous ne pouvez pas débarquer. Donc, tu arrives après 19 jours en mer, en Ouais, solitaire, tu te dis, je j'arrivais. vais faire Ah un petit non. steak. Ouais, non. ouais, en plus, tu vois, enfin, les Açores, j'ai plein d'amis là-bas. Donc, les mecs me disaient, non, non, on ne peut pas. Et, donc, après avoir longtemps insisté, et parce que j'ai des bons contacts sur place, ils m'ont dit, écoute, tu peux laisser ton bateau sur un ponton, mais tu ne mets pas le pied sur le ponton. Et puis, on va venir te chercher avec un gars en combinaison intégrale. C'était Mais je viens irréel. de faire une quarantaine, Ouais, il n'y je viens avait de passer X jours vraiment en aucune mer. raison, tu vois, mais c'était le Ouais. début où Ah il y avait oui, on beaucoup savait pas quoi. d'inconnus, Ouais, on ne c'est savait pas ça, trop. Et à ce moment-là, j'ai pu monter sur un autre bateau qui retournait en Belgique, le oui. bateau de mon ami Alexis Guillaume. Et du coup, j'ai eu vraiment de la chance parce que les mecs sont venus me chercher. Enfin, je me suis mis à couple d'Amalia, le bateau d'Alexis, puis j'ai balancé tout mon matos. J'étais mettre mon bateau au ponton, je devais jeter mes bouts, tu vois, pour essayer d'attraper les taquets, parce qu'ils ne voulaient pas que je pose le pied au sol, c'était absurde. Et Ouais. puis les gars sont venus me chercher, m'ont mis sur le bateau, et là, on a encore fait 14 jours de mer pour aller jusqu'en Belgique. Donc, après 32 jours de mer, je suis arrivé à Bruxelles, à Ostende, à Nieuport, je crois. Ouais. C'était long. C'était long, c'était une belle expérience, mais c'était vraiment long, quoi. Ouais, clair, surtout quand on a un petit bout qui grandit si vite, on a deux Ouais, et tu mois. vois, à la base, notre projet, c'était pas du tout ça, c'était de traverser, de passer Gibraltar, d'aller dans le Pacifique et tout ça, mais tout était fermé, ils avaient Ouais. fermé le détroit, la Polynésie française est restée fermée très longtemps, donc tout ça, c'était, voilà, nos plans se sont un peu écoulés à ce moment-là, mais on s'est réorganisé, puis on a ramené le bateau, du coup, le bateau resté aux Açores, on a tourné encore pendant une ou deux saisons, une saison dans les Açores et dans les alentours, dans les Canaries, et puis on a retraversé l'Atlantique. L'année dernière, ça c'était très chouette. On a fait une traversée on a brûlé seulement 2 litres de diesel juste pour Wow. sortir de la marina et pour jeter l'ancre de l'autre côté. Trop Et c'est là top. que vraiment on s'est dit, mais en fait, le concept il tient la route. Ah oui, Tu carrément. vois, on arrive à faire, on a fait l'aller-retour l'année dernière et on a presque rien brûlé comme gasoil. Et ça c'était vraiment chouette. Et puis le bateau a été équipé aussi pour. Des panneaux solaires, un hydrogénérateur, on a du 220 à bord pour recharger les batteries du matériel de production et tout ça. Et donc, on a vraiment essayé de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut produire du contenu, des vidéos, des films, des documentaires en brûlant un minimum de CO2, quoi, en relâchant un minimum de CO2.
Et puis là, ça nous fait évoluer vers le prochain gros projet. Et je ne sais pas si, je ne crois pas que tu en aies entendu encore parler, parce que c'est un peu une primeur. Mais en fait, avec tout ça, tu vois, après avoir voyagé 4 ans sur le bateau un peu partout dans l'Atlantique, on s'est rendu compte que le bateau, il était très bien, mais il reste quand même assez petit, tu vois. C'est un bateau qui fait un peu moins de 12 mètres. Pour les équipes de production et pour le monde qu'on essaie d'emmener à bord, c'est un peu short. Et puis, c'est un bateau en polyester, donc ça ne nous permet pas d'aller partout. Donc, on s'est lancé dans un nouveau projet maintenant qui est assez ambitieux, qui serait de faire construire un bateau d'expédition. Et on va le faire en aluminium et on va le faire en aluminium recyclé. On va récupérer. Alright. Non, j'ai pas encore entendu parler de ça, Non, effectivement. ouais, on va Ouais. récupérer 1 200 000 canettes Ok. de toute la des lignes de recyclage. On va les faire fondre et on va les réutiliser pour construire la coque d'un bateau. Wow. Donc ça, c'est l'idée. Et au-delà de ça, on a toute une équipe technique qui nous aide pour justement que le bateau soit le mieux isolé possible, le plus autonome en énergie possible. Donc ça va être tout ce qui est renouvelable. Évidemment, sur un bateau, tu as de l'éolien, pour faire l'électricité, tu as aussi le solaire, tu as l'hydrogénérateur. Tout ça, évidemment, on va travailler avec les meilleures et les dernières technologies. Et l'idée, c'est de faire un bateau d'expé qui va pouvoir voyager partout dans le monde et qui va aller à la rencontre de sportifs dans leur pays. Donc, on ne fera plus voler des gens pour rejoindre le bateau. On va arriver, par exemple, au Brésil et on va embarquer deux surfeurs brésiliens et on va faire une série de documentaires sur ces sportifs un peu partout autour du monde et comment le changement climatique les impacte, eux dans leur sport et puis dans leur communauté, et d'essayer de conscientiser un petit peu les gens à ce niveau-là avec cet outil et de vraiment avoir une éthique irréprochable sur tout ce qui est production, justement, enfin la plus irréprochable possible, sur tout ce qui est production, manière de voyager. Donc là, on est vraiment, ça va être le nouveau projet, si tu veux, sur lequel on travaille depuis maintenant un an. On a déjà Ça, une c'est partie des super. On a déjà une partie des fonds, mais bon, c'est des fonds beaucoup plus importants que ce qu'on avait levé pour le premier bateau. Et le projet est vraiment passionnant. On a travaillé avec un des meilleurs architectes navals, Pierre de Lyon, pour dessiner le bateau. Techniquement, on a un catamaran là, qui est prêt, qui va faire 58 pieds, qui a vraiment une super gueule. Et l'idée, ce serait d'aller faire le passage du Nord-Ouest, d'aller en Antarctique, tu vois, de faire ce qu'on fait normalement pas, quoi, d'aller dans les Ouais. endroits où les gens vont pas. Voilà, on bosse là-dessus pour le moment. Ça, c'est vraiment un projet long cours parce que tu vois, dès que tu as levé les budgets, tu t'attends un an avant d'avoir ton slot de production, et puis après, c'est 2 ans de construction. Donc, le truc, mais voilà, je Ouais. t'en parle aujourd'hui parce que c'est là, on commence à doucement l'annoncer, on commence à faire du bruit, on est sur la levée de fonds. Donc, Ah, c'est chouette. le Ah, c'est projet un super beau projet. va petit à petit se mettre en place. Parce Ouais, que c'est c'est vrai, l'idée. quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, tu as beaucoup de gens qui font des sports outdoor et puis qui n'arrêtent pas de prendre l'avion pour aller partout. Tu te dis, ouais, il y a quand même un grand écart inconfortable là. J'ai vu que tu avais le petit logo Green Tripper déjà sur ton site. Ouais, je Donc suis pour la compensation depuis carbone. le début, et c'est marrant parce que tu vois, sans vouloir me donner bonne conscience ou quoi que ce soit, tu vois, mais je travaille avec CO2 Logique depuis 20 ans, quand à l'époque, ce n'était pas encore un sujet. Enfin, je veux dire, tu vois, on parlait jamais Non, de c'est vrai, ça, on très disait, très ouais. peu, très Et très peu. donc, Sauf dans les milieux toutes nos très très expés. avertis, mais sinon, Ouais, il n'y a pas toutes nos beaucoup de conscience. expés, alors c'est pas une solution, hein, pour être tout à fait franc, tu vois, parfois tu as le sentiment que tu t'achètes un peu une bonne conscience, tu vois. Moi, ce qui est chouette avec CE2 Logique, c'est que en fait, ils t'aident d'abord à limiter ta production de CO2. Donc l'idée, c'est que tu vas les voir, tu leur expliques ton projet, puis eux te donnent des outils pour essayer d'émettre le moins de CO2 possible, donc que ce soit dans ton business, dans ton entreprise, dans ton projet de voyage ou autre. Et puis après ça, le CO2 qu'on appelle incompressible, c'est-à-dire celui que tu peux difficilement éviter Ouais. parce que tu as besoin de lumière, ou tu as besoin de faire tourner une machine pour travailler sur un projet, ben celui-là, on fait le calcul et à la fin de l'année, on les neutralise. Donc en fait, on dit, bah, toi, NB, tu as relâché 3 tonnes de CO2, ben écoute, on va les neutraliser en trouvant une manière de. Bah, ça peut être replanter des arbres quelque part, mais ça peut aussi être un projet social où, par exemple, on fournit un four à haut rendement dans un village en Afrique. Et donc, au lieu de brûler beaucoup de bois pour faire Mmh, bouillir de l'eau, ils et en brûlent 10 couper, fois moins. Et donc, comme ils ouais. en brûlent 10 fois moins, c'est 10 fois moins de CO2 rejeté. Ouais, je les connais Et bien. voilà, enfin, tu comprends le concept. Oui, Le, c'est le, super. l'idée, elle est bien, mais c'est surtout intéressant de travailler avec des gars comme ça parce que
Ils ont énormément de connaissances, ils te mettent en contact avec les bonnes personnes. Et nous, on le fait depuis toujours. On a toujours neutralisé toutes les émissions. Ça coûte de l'argent. Hein. Dans nos budgets, ça reste une tranche, je dirais pas importante, mais quand même, c'est conséquent. Tu vois, quand tu as une équipe de 10 personnes qui partaient à l'étranger ou qu'on a traversé l'Afrique du Nord au Sud en 4x4, tu vois, c'est. Mais très vite, on s'est dit, en fait, c'est génial. On va continuer à travailler avec eux. Mais maintenant, l'idée, c'est vraiment d'essayer de plutôt revoir. Notre manière de fonctionner à la base. Et ça va jusqu'à, par exemple, sélectionner des équipes de production dans les pays où on va. Par exemple, au Pakistan, cette fois-ci, au lieu d'embarquer un caméraman, tu vois, maintenant, tu trouves un caméraman au Pakistan. Alors, il va peut-être pas être aussi talentueux que ton meilleur pote avec qui tu bosses depuis 10 ans et qui a l'habitude et tout. Mais quelque part, c'est difficilement justifiable d'emmener un gars au bout du monde avec tout son matos quand tu en as un sur place. Que tu peux briefer, tu peux rencontrer, qu'il a peut-être un point de vue différent, il va te faire découvrir sa culture. Et en fait, on est en train de réfléchir à ça aussi. C'est toute une démarche sympa, ça. Ouais, c'est intéressant. Et on n'en parle pas, parce que dans l'industrie des documentaires, des films, de la production et tout ça, on ne parle jamais de ça. Ben, tu vois, Non. ouais, ils font des films matures. Ben, je veux dire, Nicolas Hulot, tu vois, il se baladait en hélicoptère toute la journée, ils affrétaient un avion Air France juste pour eux, tu vois. Alors, c'est fantastique ce qu'il a fait, tu vois. Il a conscientisé les gens sur la beauté de l'environnement et sur la nécessité de la préserver et tout ça. Mais ça crachait quand même beaucoup de CO2, hein, tout ça. Clair. Moi, je crois qu'il le ferait Donc. plus comme ça maintenant. Bah, il y a aussi, bah, j'avais été voir Yann Arthus-Bertrand qui me disait, bah oui, j'étais connu comme l'hélicologiste. Il dit, bah, je faisais pourtant, enfin, je faisais la compensation carbone à l'époque, alors que personne ne la faisait. Ouais. Mais c'est clair que ça change, ça compense pas tout à fait. Enfin, je veux dire, le meilleur CO2, c'est le qu'on n'émet pas. Et pour l'instant, il fait des films, mais en récupérant les images justement de gens qui en font partout dans le monde, quoi. Il dit, moi, je veux plus prendre l'avion pour faire les images. Je veux des images, mais il y a plein de gens talentueux, donc autant rassembler, faire des appels à images. Des gens qui sont avec des drones déjà Ouais, sur c'est marrant. place ou quoi. Et donc lui le fait, carrément, il fait comme toi appel à des gens locaux, quoi. Ça, Ouais, mais et en fait, la c'est chouette de technologie a voir. beaucoup évolué aussi, tu vois. Et donc, avant, ça coûtait une blinde d'avoir une bonne caméra. Tu devais travailler avec une Red Dragon, tu vois, avec des objectifs Carl Zeiss pour avoir un truc vraiment, vraiment pointu. Maintenant, tu filmes avec ton iPhone. T'as de la 4K et c'est absurde la qualité que tu sors. Enfin, C'est c'est fou, pas, ouais. on n'est pas encore sur les qualités, des qualités similaires, mais Non, mais tu avec peux le déjà avoir dernier quelque petit chose de boîtier super bon. Sony, tu fais des trucs ou autre, hein, d'ailleurs, c'est pas la marque qui importe, mais Non, non. tu fais des images incroyables. Donc, avec des budgets hyper réduits, on peut produire de la qualité. Et je pense aussi, parce qu'on parle de documentaire, tu vois, c'est que toute l'approche a un petit peu changé aussi, c'est que. Il y a 10 ans, quand tu faisais un docu et que tu voulais le présenter à un festival de films d'aventure, tu essayais de mettre un maximum d'effets. Tu vois, tu disais, on va prendre une grue, un slide pour faire des travelling, bon, sans parler des drones et des trucs. Et c'était toujours l'image, l'image, l'image. Et en fait, on se rend compte maintenant qu'il y a tellement d'images, il y a tellement de qualité que c'est plus suffisant. Ouais, c'est plus Et ça qui fait la maintenant, différence. c'est plus ça qui fait la différence. Et si tu regardes n'importe quel film de festival d'aventure, par exemple, les gagnants, c'est toujours un truc hyper roots, un mec qui s'est filmé tout seul à la main, parce que le contenu est roi. On revient vers l'histoire, l'importance de l'histoire, l'importance du récit, l'importance de faire vibrer les gens, l'émotion, plutôt que la beauté de l'image, parce qu'en fait, ça, on en a tellement vu. Tu vois, tu peux scroller sur Instagram toute la journée et voir des trucs canons, c'est plus suffisant. Et donc, ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet à des petits producteurs ou à des réalisateurs qui n'ont pas de moyens, s'ils ont une belle histoire, ils peuvent la Ils peuvent raconter percer. et faire du bruit, quoi. Ouais. Ça c'est vachement chouette. Vous en aviez une belle d'ailleurs avec Jack sur le bateau. Mais comment ça s'est passé pour Jack sur le bateau, par exemple? Vous l'avez vu comment ses réactions? Écoute, pour lui, tu vois, à 4 semaines, il était sur le bateau. Donc Jack, il est né en Belgique et puis 4 semaines plus tard, on est parti sur le bateau. On lui avait construit un petit hamac dans la cabine. Et il dormait dans son hamac toute la journée. Et en fait, quand ils sont tout petits, c'est plus facile parce que ça bouge pas trop. Ça dort beaucoup, ça bouge pas trop et ça court pas dans tous les sens. Tu vois. Ça Donc, n'essaie pas de passer par-dessus bord en permanence. ouais. Et puis lui, il connaissait rien d'autre. Tu vois, Jack, c'était pour lui, C'était sa c'était sa vie. normalité. Tu vois, c'était sa normalité. Ouais. Et du coup, mais tu vois aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que là, on est sur le sol pour le moment. On n'est pas trop moins sur le bateau. Et ça lui manque à fond, et il en parle tout le temps. Mais pour répondre à ta question, ce qui était drôle, c'est qu'il s'y est fait très très vite. C'était probablement plus difficile
pour nous, parce que tu vois, il fallait toujours qu'un de nous deux, et c'était plutôt souvent Sophia, parce que j'étais aux commandes du bateau. Enfin, tu vois, dès que ça tabassait, que les conditions étaient fortes et tout ça, il fallait aller prendre un riz à l'avant du bateau et tout ça. Et alors, Soph, elle restait dans la cabine avant avec Jack pour le tenir, parce qu'en fait, le gars, il vole dans tous les sens, quoi, tu vois. Donc, pour Sophia, elle a vraiment passé 2 semaines avec Jack dans les bras, quoi. Non, mais c'était une expérience inoubliable, hein, mais c'était quand même difficile. Je peux pas te dire que c'était tout repos, tu vois. Où, Non, 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 ça. on avait bien préparé le bateau et on était assez confiants. Donc, on l'a fait très tranquillement, dans les conditions les plus soft possibles, en étant super humble, en réduisant la toile, tu vois, en réduisant nos vitesses. Et puis, on avait tout ce qui est matériel sécurité à bord, une balisine Reach, les AIS. Donc voilà, on a mis toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Mais quand je revois le truc avec un petit peu de distance, tu vois, je me dis qu'on était quand même un petit peu inconscient. Peut-être Je me pas suis dit inconscient, aussi, mais wow, bah, là écoute, ils osent, hein. ouais, en arrivant de l'autre côté, une semaine après, on était en train de naviguer dans un petit clapot, une petite condition toute calme et tout. Et on a un auban qui a sauté, donc un des câbles qui tient le mât. C'est même pas le hauban, c'est la cadène en dessous du pont qui a pété. Et en fait, elle était fissurée, mais on le voyait pas, c'était dans le pas de vis. Et ça fait quand même un drôle d'effet, parce qu'il y a la moitié de ton mât qui se décroche, enfin, tout le côté tribord qui devient mou, quoi. Et donc là, j'ai viré de bord très vite pour mettre toute la pression de l'autre côté. J'ai affalé la voile. Et je suis rentré au premier, enfin, à l'endroit le plus proche, je suis allé à la marina pour réparer. Mais le même Tu truc, dis t'arrives au milieu au de milieu de l'os, l'Atlantique, t'as oui, plus c'est de ça. voile. Oui, c'est ça. Et tu es là, et tu peux passer 3 semaines à dériver en attendant qu'il se passe un truc. C'était vraiment 10 jours après notre arrivée. Donc, Là, tu tu vois, on dis, n'est pas passé d'accord. loin d'une petite catastrophe. Alors, on n'en serait pas mort, mais on n'aurait quand même pas Non, rigolé, quoi. non. Donc, Surtout que vous aviez vraiment chargé à balles de guerre en nourriture. J'ai vu que vous avez fait les courses. ouais, on avait pris. Alors, ça, c'est quand même un des trucs, c'est que quand ta vie, c'est l'aventure, c'est quand même une certaine connaissance de la gestion en termes de logistique et tout ça, et de la gestion du risque. Je sais que pour les gens, c'est de la folie, mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu es bien préparé et que tu fais pas le débile, tu peux vraiment repousser un peu les limites du truc. Tu vois, on me disait, ah, mais tu vas faire une transatlantique en solitaire, t'es complètement dingue, et tout ça. Ça s'est ultra bien passé, et je me suis jamais senti en danger. Tu vois, je pense que si tu fais pas n'importe quoi, il n'y a pas de problème, et si tu es bien préparé. Et je pense que ça a été une expérience assez fantastique. Et je te donne un exemple qui, moi, m'a vraiment marqué. C'est Jack qui dormait dans la cabine avant, et en fait, quand les dauphins viennent nager devant le bateau, tu entends le chant des dauphins à travers le mur, quoi. Et très vite, Jack avait compris que ce bruit, c'était les dauphins, quoi. Et donc, c'est lui qui nous annonçait que les dauphins étaient devant le bateau. On était en train de manger ou en train de cuisiner à l'arrière, et puis il criait dans ce sens, il bougeait ses bras et tout. Il fallait qu'on le prenne, qu'on l'emmène à l'avant du bateau pour qu'il voie les dauphins faire des sauts devant le bateau, et parce qu'il les entendait à travers la paroi, quoi. Ça, c'était juste fantastique. La première fois qu'il a montré un truc du doigt, tu vois, c'était un fou de bassin qui plongeait pour attraper un poisson. Enfin, donc, ça a été l'école de la vie à bord. Il a appris à marcher, à commencer à marcher sur le bateau. Et c'était marrant parce que dès qu'on l'a emmené sur terre, il a commencé à marcher. Puis on l'a ramené sur le bateau, et là, ça le frustrait tellement de tomber parce que le bateau bougeait tout le temps qu'il a fait une grève de la marche. Pendant 3 semaines, il voulait plus essayer de marcher. Pas question, Euh, et stabilisez-moi ce puis truc. et puis il s'y est remis. Mais bon, je veux dire, il s'est baladé sur les plages ouais, pendant 2 ans. Il était tout le temps dehors et tout le temps à l'extérieur. Et puis après, on est rentré en Belgique, et là, on l'a mis dans une petite crèche. C'était quand même un peu le choc, quoi. Tu vois, tu pars de la liberté ultime, et puis d'un coup, tu te retrouves Quatre dans une petite murs, crèche. plein Mais d'autres. c'était génial aussi, tu vois. C'est des petits louveteaux, hein. À cet âge-là, ils ont besoin de sociabiliser, de connaître d'autres petits-enfants et tout ça. Donc ça s'est super bien passé. Mais si tu demandes aujourd'hui à Jack, il a maintenant 3 ans et demi, si tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire demain, ou il va te dire partir avec le bateau, naviguer, quoi, tout de suite. C'est toujours sa réponse. Vraiment, on l'appelle Jack le pirate, tu vois, dans la famille, parce que il adore naviguer. Donc là, Bah, on ça a la tombe chance bien parce que c'est d'habiter. pas la dernière fois qu'il risque de naviguer avec vous, je pense. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que il y a des âges où ça se passe plus facilement, tu vois. Il y a des âges où c'est plus simple. Je pense que quand ils sont tout petits, c'est assez facile et assez accessible. Maintenant, on en a deux. On a Jack, et on a aussi Léonore, une petite fille qui a 1 an et demi. Et donc, quand on a deux en bas âge,
et que tous les deux marchent, Ça devient c'est chaud. nettement plus sport parce que tu dois tout le temps être sur la balle, quoi. Tu peux pas te Oui. permettre non Quand il n'y en plus de a qu'un, bon, désaccrocher elle toute la pouvait s'en journée. occuper, toi tu pouvais naviguer, mais là, si vous êtes toutes les deux vous occupez, est-ce qu'ils ne virent pas par-dessus bord, ça devient plus compliqué. Ouais, il faut que ça reste quand même un chouette moment à passer tous ensemble, tu vois. Et les neuf peuvent être longues, peuvent être difficiles, le manque de sommeil et tout ça. Et donc on s'est dit là, on lève un peu le pied. On a la chance d'habiter sur une île. Maintenant, on habite aux Açores. Cool. Donc les enfants sont tous les jours au bord de l'eau. On Ah, sort ça encore c'est avec le bien. bateau, on fait des petites naves et tout. Donc pour eux, c'est toujours l'esprit à pas changer. Et je pense que quand ils seront un peu plus grands, je dirais. Tu vois, 6 et 8 ou un truc comme ça. Alors là, tu peux repartir. Et ils sont assez grands pour pas tomber du bateau, pour se débrouiller tout seul sur plein de Ouais, être trucs. un peu plus prudent. Et alors là, c'est très chouette, quoi. Ouais. Carrément. Nouvelle-Zélande. Là, c'est ça avait l'air formidable ce que tu as fait là-bas. Hein. Ouais, ça, c'est un de mes pays. Ouais, c'est probablement mon pays préféré ou un de mes pays préférés. La Nouvelle-Zélande, bon, ce qui est génial, c'est que tu as un pays gigantesque avec 4 millions d'habitants, donc ça reste un des endroits les plus préservés de la planète. Ouais, Et clairement. ouais, on a fait la traversée de l'île du Sud à pied en parapente avec un très bon ami, avec Ferdinand Van Skelven. Et c'était fou. On a pris 26 jours pour traverser tout le pays en autonomie complète. C'était vraiment dingue comme expérience. Ouais. Très chouette. Tes plus beaux endroits là-bas? Ah, écoute. Arriver vers le mont Cook en vol, c'était juste exceptionnel, tu vois. Je me rappelle avoir survolé l'île du Sud en avion pour aller vraiment à la pointe sud et voir toutes ces montagnes et me dire, attends, c'est pas possible, on va traverser ça à pied en parapente, et me décourager un peu, me dire, ah, en fait, c'est trop big, c'est trop ambitieux. Et puis, de jour en jour, on a pris la météo comme elle venait et on s'est pas arrêté d'avancer. C'était vraiment très dur comme projet parce que physiquement, là, on avait 26 kilos sur le dos, vu qu'on portait toute la nourriture pour l'aventure, les tentes et les trucs. Donc physiquement, c'était vraiment, vraiment hard, mais c'était d'une beauté incroyable. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que, tu vois, il y a les Great Trails, comme ils appellent ça en Nouvelle-Zélande, tu as quelques endroits qui sont assez connus, et les gens se battent pour avoir des places dans les refuges et tout ça là-bas. Tu sors un tout petit peu de l'axe, tu vas dans la vallée d'à côté, tu es tout seul, tu vois, et c'est tout aussi beau. Et nous, sur 26 jours, on a dormi 3 fois avec d'autres gens dans la hutte, quoi. Ah oui. Le reste du temps, on voyait personne. Et c'est Ah, ça, c'est juste magique. sauvage. Non, c'est très sauvage. C'est les Alpes, mais sans les habitations, sans les routes, sans les maisons. Les fonds de Ouais. vallée, il y a toujours un petit sentier pour se balader, et puis c'est tout. Donc, ouais, j'espère que ça ne changera pas trop. J'espère qu'ils vont réussir à préserver ça, parce que c'est Ah, j'ai fantastique, un quoi. bon souvenir aussi de T'es allé là-bas. aussi, ouais. Ouais. T'as découvert la Tuatara? La bière Ouais. avec une superbe bouteille là. Elle est bonne, hein, celle-là? Non, Elle est ils bonne, font des ouais. bonnes bières en plus. C'était fou parce que tu vois, quand tu marches comme ça pendant 15 jours, en fait, tu commences à rêver justement de bouffe et de bière et des trucs. Et ton corps, ton cerveau te dit ce qui te manque. Et donc, moi, je rêvais beaucoup de fruits, d'oranges, tu vois, de vitamine C, de vitamine D, ça. Et surtout, tes sens se développent. Et quand je rentrais à mi-parcours, on est rentré dans un petit village, on avait un tout petit morceau de route. Et tu sens les odeurs de la viande, tu vois les bières sur les tables et tout ça. Et en fait, ton corps te dit, ah, Fonce, il me faut un vas-y. burger, parce que tu fonds, quoi. Enfin, quand tu Ouais. marches avec 26 kilos sur le dos, on a perdu tous les deux 10 kilos. Donc, tu as besoin de protéines. Ouais, c'était assez drôle. Et c'est vrai que la bière était marrante. Clairement, moi j'aime bien les shoulders là, leur espèce de soupe épaisse là avec des fruits de mer, trop Ouais. bon aussi. Yes. Oui, des bons souvenirs de Non, c'est là-bas, un pays génial. ouais. Ouais, Carrément. c'est top comme moi. Attends, oui, je me disais aussi pour la. Ça devait être marrant, de mon souvenir, du peu que j'ai volé. Je me disais, j'ai enfin compris que l'air, quand on m'a dit, mais tu sais, c'est la même chose que les courants dans l'eau. Donc il y a un obstacle, tu vois comment fait l'eau, bah, l'air fait la même chose. Et ça, c'est. Du coup, je me dis, Ouais. c'est. Ce qui est complexe, c'est que c'est invisible, tu vois, et que quand on vole, en effet, on est constamment en train d'imaginer, tiens, comment le vent passe au-dessus de cette montagne, comment ça se passe derrière cette montagne, est-ce que c'est turbulent, est-ce que ça ne l'est pas? Et donc, tu as cette espèce de jeu avec l'invisible, il y a une part de magie là-dedans, et il faut le comprendre, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup de temps au bord de l'eau, et notamment en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, parce qu'il y a des rivières partout, à juste m'asseoir sur un caillou et observer comment l'eau fonctionne, tu vois, et quel genre de turbulence elle fait. Et alors, quand je suis en l'air, je regarde les montagnes, je vois d'où vient le vent, et je dis, OK, là.
Ça va circuler comme ça va faire le tour, ça va faire des tourbillons derrière. Et ça m'a permis vraiment d'évoluer dans le sport, quoi. Ah bah ouais, voilà. Du coup, ça, je veux dire, ta pratique de la voile a dû enrichir ta pratique du parapente et inversement. Ça, à fond. Ouais, Ouais, parce que, ça bon, doit être trop déjà, top. le parapente, il y a une dimension, t'es en trois dimensions, donc c'est particulier, tu vois, Ouais. tu voles en altitude et tout ça. La voile, t'es en deux dimensions, t'es sur un plan d'eau. Mais disons que le vent, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Alors, c'est quelque chose qu'on déteste en parapente et qu'on adore dans la voile. En parapente, tu préfères pas avoir trop de vent. Et en voile, bon, tu ne veux pas en avoir trop, mais tu aimes quand même bien avoir un peu d'air pour avancer. Donc, au début, ça m'impressionnait. Quand on était en mer avec 30 nœuds de vent, tu vois, je disais, waouh. Enfin, pour moi, c'était les voyants rouges qui s'allumaient, danger, Ouais. danger, comme lors du parapente, quoi. Donc, j'ai dû apprendre à ce niveau-là. Mais là où j'avais quand même un avantage, ou en tout cas déjà pas mal de connaissances, c'est l'aérologie. La météo, tu vois, l'analyse des nuages, l'analyse du vent, l'analyse des brises, tout ça, on comprend très très bien. Et puis je pense que quand ton métier c'est le sport ou essayer d'exceller dans un sport, en fait, tu as une capacité d'analyse aussi qui te permet d'évoluer dans n'importe quel sport après. Parce que si tu t'approches un sport différemment, tu découvres le truc, mais tu sais quelles sont les clés pour apprendre, pour tirer des leçons, pour grandir, pour évoluer. Et donc, tout ce que j'avais appris dans le parapente, je l'ai appliqué à la voile avec beaucoup d'humilité. Et c'était très intéressant de recommencer un sport ou une activité from scratch, tu vois, sans avoir aucune connaissance. Parce que le parapente, j'avais un peu l'impression de plafonner à un moment. Et puis là, tu repars à zéro et tu es juste un incapable qui a aucune connaissance. Et tu apprends sur le tas, c'était super intéressant comme truc. Et les gens me disent, ah, mais toi, ton père, il a toujours navigué, ou tu naviguais quand tu étais petit? Pas du tout. Moi, j'ai fait un stage de voile une fois en Bretagne, mais je veux dire, c'était pas du tout mon truc à la base, quoi. Ouais, ah, trop top. Et toi, je sais bien que ça va te parler parce que j'avais vu un reportage où vous disiez se faire accepter par l'océan, on se sent comme accepté, comme aidé presque par l'océan. Donc, cette idée de faire corps avec l'élément, bah, en parapente, ça, c'est vraiment, effectivement, tu es complètement englobé dans l'élément, être dans son élément. C'est quoi tes moments préférés où justement tu sens que ça fait corps? À mon avis, c'est des moments de flow qui sont extra. Oui, tu les reconnais, hein, c'est marrant, mais sur un bateau, ça va être un lever de soleil avec un décor fantastique. Et puis, tu vois, ce qui est marrant, c'est que les gens parlent beaucoup de ça. Tu vois, peut-être traverser en solitaire, par exemple, ça a dû être une expérience humaine incroyable, enfin humaine dans le sens Se rencontrer soi-même, quoi. spirituel. Ou, ouais. Et en fait, oui et non, tu vois. D'un côté, tu te réveilles le matin et tu dois faire avancer ton bateau. Et moi, je suis un gars assez terre à terre, tu vois. Et voilà, j'avais une mission qui était d'arriver de l'autre côté en tout, tu vois, entier, avec un bateau qui n'avait pas trop souffert. Et d'office, tu observes la nature, tu t'extasies devant la beauté des éléments, tu vois. Tu regardes un coucher de soleil. Enfin, il se passe un truc. Clairement, il se passe quelque chose. Mais moi, je suis quand même quelqu'un d'assez carré comme ça, tu vois. Et en fait, non, j'emmenais juste mon bateau d'un bout à l'autre et j'en fais pas toute une histoire, tu vois. Mais après, intérieurement, il se passe un truc, hein, tu vois, clairement. Et tu reviens de ce genre d'aventure grandi parce que quelque part, tu te dis, je pensais pas en être capable. Et en repoussant un peu mes limites et en sortant de ma zone de confort, j'y suis arrivé, tu vois. Et je pense que c'est vraiment, mais vraiment, je le pense profondément, c'est accessible à tout le monde. C'est juste une question de se dire, OK, on se donne les moyens, on le fait, on croit en ses capacités et on y va, tu vois. Tu m'aurais dit, quand j'ai commencé à naviguer ou quand je suis parti du port de Bruxelles, dans 2 ans, tu fais une transatlantique en solitaire, je serais dit, mais non, jamais, c'est incapable, l'impression que c'est un truc complètement inaccessible. Et demain, je dois repartir, je fais mon sac en une demi-heure et j'y vais, tu vois, ça ne m'inquiète plus du tout. Donc, je pense que ce qui est intéressant quand tu sors de ta zone de confort comme ça, c'est qu'en fait, tu prends confiance en toi aussi et en tes capacités. Et finalement, tu te dis, mais ça peut s'appliquer à tout. Il y a plein de choses qui nous bloquent dans la vie, qui nous font peur, qui nous arrêtent, qui nous freinent. Mais tu peux aussi te dire, non, mais moi, ça ne me dérange pas. Je baisse la tête, j'y vais, j'avance. Et puis, tu apprends, tu tires des leçons, tu évolues. Et puis, ça te permet de repousser un peu les murs à chaque fois. Et je trouve ça passionnant. Et après, clairement, tu vois, moi, ce que j'aime dans tout ça, finalement, c'est le contact avec la nature. C'est que je pense qu'on a une connexion très profonde avec la nature, mais on l'a tous et toutes un petit peu perdue parce qu'on grandit dans des villes, qu'on est face aux écrans, que tu vois,
On marche pas très souvent pieds nus dans l'herbe. Et donc, on a perdu cette connexion à la nature. Et c'est vrai qu'avec le parapente ou avec la voile, tu retrouves ça. Parce que tu prends des rafales de vent, tu te prends un grain, tu es trempé, tu as froid, tu te bats dans les vagues, tu vois. Ou alors, tu atterris au milieu de nulle part, dans un endroit paumé, et puis tu dois marcher pendant 6 jours pour sortir. Ouais, c'est hyper intéressant. Et moi, j'adore ça. Et c'est là que je me sens le plus en vie. Tu vois, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. C'est parce que c'est ce que je trouve le plus intense, quoi. Voilà, ça justement, Ouais. c'était plus important la question, ben, d'un point de vue des sensations, ce que tu aimais le plus, tes moments où tu de gros gros kiff, c'est ça alors. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est, tu vois, de se jeter volontairement dans la gueule du loup, avec plein d'incertitudes, et puis d'avancer et de s'en sortir. Et l'aventure, c'est ça, hein. L'aventure, c'est quand tout commence à foirer, l'aventure qui démarre, quoi, tu vois. Parce qu'on parle beaucoup enfin, c'est un mot qui est utilisé, l'aventure, tu vois. On dit, ah, je pars à l'aventure, mais bon, tu vois, t'es avec ton sac à dos, ton Lonely Planet, et tu pars pas à l'aventure, tu vois. Non, l'aventure, c'est quand t'as un problème, t'as quelque chose à résoudre, Ça, que c'est tu sais pas vrai. comment tu vas t'en sortir, que t'es dans le rouge, t'es dans le dur. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, qu'on a des ressources qu'on n'imaginait pas. Et c'est super intéressant parce que par exemple, sur ces compétitions, tu vois, de traverser des Alpes à pied en parapente, on marche 600 bornes en 10 jours. Tu vois, tu m'aurais dit il y a quelques années, ouais, tu vas marcher 100 km en 24 heures. C'est pas possible de marcher 100 km en 24 heures avec un sac de 10 kilos. Et en fait, si, quand tu es dedans, tu t'y mets, tu te mets en mode robot, tu avances. Si la motivation est suffisante, tu t'arrêtes plus. Et c'est passionnant de voir qu'en fait, on est juste limité et on se limite nous-mêmes, en fait. Parce qu'en fait, on se croit pas capable, ou que les gens qui nous entourent nous disent que tout ça, c'est impossible. Et je trouve ça intéressant, tu vois, sur le projet, par exemple, sur lequel on bosse pour le moment, on est sur des budgets beaucoup plus conséquents, sur le projet du bateau d'expédition, on est sur une logistique beaucoup plus importante. Mais je pense qu'à partir du moment où tu peux le rêver, tu peux le faire. Tu vois. Et il faut juste qu'à un moment tu te dises, OK, non, mais on va se donner les moyens de le faire, on va trouver les solutions. Et souvent, en tout cas, j'observe ça autour de moi, c'est que les gens ne se donnent pas vraiment la chance ou la possibilité, tu vois, de rêver, et de rêver en grand, quoi. Ouais, Parce que toutes les excuses sont bonnes. trop vrai, Non, mais trop, c'est trop trop vrai. cher, c'est trop de trucs, ça va être trop compliqué, c'est pas possible. Non, mais la réalité, c'est qu'en fait, tout est possible. À partir du moment où vraiment tu t'y crois, que tu bosses hard, que tu t'entoures des bonnes personnes, et puis il y a une magie dans tout ça, et ça, c'est vraiment super, super intéressant, parce que nous, on l'a vécu beaucoup dans nos expés. C'est que quand tu as vraiment une intention et qu'elle est forte, les choses se mettent en place naturellement. Par magie, tu vas rencontrer la bonne personne au bon moment. C'était Donatien Carme que j'ai rencontré dans un refuge en montagne qui m'a appris à naviguer, ou c'est, tu vois, la nana qui m'a dit, à la sortie d'un festival de films d'aventure, ah, mon copain, il est skipper sur un bateau en Polynésie, tu devrais l'appeler. Ou c'est, tu vois, et en Ouais. fait, c'est dingue. Tu vois, on voulait traverser l'Afrique du Nord au Sud, et on avait un véhicule qui était un 4x4, un Volkswagen, un pick-up. Mais on se disait, si on veut avoir une équipe de prod avec nous et tout ça, il nous faudrait un deuxième véhicule. On commence à chercher un peu. Et puis, je suis dans une pompe à essence à Gembloux, et arrive un gars à côté de moi. Et tous les jours, je parle, j'essaie de parler à un inconnu, tu vois, juste ouvrir la conversation avec quelqu'un que je connais pas. OK. C'est un petit exercice que je fais, que je trouve assez, assez drôle. Sympa. Et donc, je vois mon voisin là, puis je dis, ah, ça va? Venez d'où comme ça? Enfin, tu vois, je sais pas, je lance la conversation. Je crois que je lui ai dit un truc genre, ah, elle est chouette ta voiture, c'était une voiture un peu tunée. Et puis le mec me dit, ah ouais, ça t'intéresse les voitures? On discute. Et puis je dis, ah bah, je pars faire la traversée de l'Afrique là. Ah ouais, ah génial. Ah, j'ai un pote qui va faire la traversée de l'Afrique aussi là. Il veut descendre avec un camion jusqu'en Afrique du Sud. Ah bon? Ah ok, bah, attends, comment il s'appelle? Il part quand? Et puis on a contacté le gars, et il a dit, bah écoutez, moi, je suis chaud de mettre le camion à disposition, et on fait le voyage ensemble, quoi. Et puis, on s'est C'est fou retrouvés ça. avec. Alors, c'est assez fou. Et on a eu des histoires comme ça, il y en a plein, tu vois. Et en fait, encore une fois, je pense qu'il y a une espèce de magie comme ça, des gens qui ont l'envie d'entreprendre ou de créer des choses. Et c'est pour ça qu'il faut partager ses rêves. Il faut en parler autour de soi. Parce que je te parle d'un truc aujourd'hui, et demain, tu vas me dire, ah, Tom, tiens, j'ai pensé à toi, j'ai rencontré un tel, il faudrait que tu le vois, il faudrait que tu lui parles de ton projet. Ou moi, je vais dire, ah, MB, j'ai rencontré telle personne qui retourne en Nouvelle-Zélande et qui truc. Et en fait, c'est.
Ah, C'est assez carrément. magique à ce niveau-là. Attends, hier, je parlais de Canette avec quelqu'un dans le train en revenant d'avoir été voir la présentation du film de la princesse Esmeralda sur la protection de l'Amazonie. On parlait avec quelqu'un qui est assez impliqué dans l'environnement, qui me parlait de sa copine qui se bat depuis des années pour la consigne des canettes parce qu'il y en a partout. Je disais, marrant, parce qu'on a parlé de canettes pendant une demi-heure, j'en parle jamais. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu me parles de canettes, c'est trop drôle, quoi. Et tu vois, l'histoire de ces canettes, ce qui est dingue, c'est que, en fait, quand tu y réfléchis bien, au début, il y a eu ce mythe du plastique recyclable à l'infini. Tu vois, on parlait de plastique comme le plastique, c'est fantastique, c'est Mais il y a génial, encore c'est plein la de gens qui chimie, croient que c'est tout la le nouvelle plastique qu'on met dans les poubelles technologie. bleues est Ouais. recyclable et Et recyclé, donc, c'est fou, oui. ce plastique va être, tu vois, constamment. Ouais. Mais en fait, la réalité, c'est que tu vas sur C'est pas n'importe ça. quelle plage aux Açores, et les Açores, c'est au milieu de l'Atlantique, à 1 300 km de la côte. Chaque fois qu'il y a un peu de vent d'ouest qui arrive, tu as tout le plastique qui vient des États-Unis qui termine sur les plages. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, tu vois, on est tellement interconnectés maintenant, tu en as vraiment partout. Et l'aluminium, c'est un des rares métaux que tu peux vraiment, d'une canette, tu refais une canette, quoi. À peu de choses près. Après, c'est sûr que faire fondre une canette, tu vois, C'est de ça demande de l'énergie. l'énergie. Donc, il faut réussir à réfléchir à ça aussi. Par exemple, les grands fabricants de tu vois, les grandes marques comme Coca-Cola ou Interbrew ou Red Bull et autres. Maintenant, de plus en plus, on leur dit, mais en fait, arrêtez de produire vos canettes à un seul endroit, et puis vous leur faites voyager à la moitié de la planète pour aller les remplir à un autre endroit, puis elles reviennent dans l'autre sens pour que. Et Ouais. donc, par exemple, Red Bull, dans ce cas-ci, eux, ils ont décidé, alors, tu vois, la marque, on aime ou on n'aime pas, tu vois, c'est chacun a son approche, mais maintenant, ils produisent les canettes à l'endroit où ils les remplissent. Ok, Et donc, ils font c'est déjà un des lignes de step quoi. production. Ouais, donc, tu t'enlèves déjà. Mais. Il faut aider ces marques et cette industrie à évoluer et à changer un peu son fusil d'épaule. Mais ce qui est sûr, c'est que l'aluminium, c'est un métal super intéressant et qui peut être utilisé dans plein de choses. Alors, par exemple, pour le bateau, tu vois, l'aluminium d'une canette, ce n'est pas exactement le même aluminium que l'aluminium marin pour faire un bateau. Donc, dans ce cas-là, on doit récupérer 1 200 000 canettes. Et puis après, on va rajouter des carcasses de voiture, des panneaux de signalisation, tu vois, pour faire le mélange, quoi. Et c'est passionnant parce que je bossais avec des ingénieurs là-dessus. Avec les gars de Ball Company, qui est un des plus grands fabricants d'aluminium au monde et un des plus gros recycleurs d'aluminium au monde. Et on travaille là-dessus et j'apprends plein de choses, tu vois. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Et puis, nous aussi, dans notre démarche, on va aller plus loin parce qu'on se dit, OK, par exemple, tu as les voiles de la route du Rhum ou du Vendée Globe. Le mec qui gagne le Vendée Globe, son set de voiles, il l'utilise pour une course. Et puis après. Ça a perdu 1% de performance, il le dégage, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, à ce moment-là, nous, on dit, ben, attendez, on a parlé avec des grandes marques comme Incidence, tu vois, et on leur a dit, ben, nous, on va récupérer des voiles parce qu'on n'a pas besoin du pourcent de, tu vois, autant qu'on reduce, reuse, recycle. Et donc, sur notre projet bateau, on va aussi travailler là-dessus, sur la récupération de matériaux qu'on va reconditionner. Et on va aussi vraiment réfléchir au fait qu'un jour, il faudra aussi que ce bateau soit démantelé. Et récupérer et recycler. Ah Et ouais, donc, tu par penses exemple, à... sur le. Parce que tu vois, dans 10 ans, ce bateau, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, peut-être, mais il sera un problème. Il risque de devenir un problème. À partir du moment où tu produis quelque chose, il faut aussi réfléchir à sa deuxième vie, quoi. Et donc, là, par exemple, sur l'isolation, au lieu de faire de l'isolation à la mousse, tu vois, des trucs. Bah, on fait de l'isolation en liège recyclé aussi, en bouchon. Et ça, c'est génial parce que tu la grattes et puis tu la mets dans ton potager, quoi, quasiment. Enfin, tu vois. Et Il donc, faudra que ce soit bien étanche alors, pour qu'il n'y ait pas de pourriture. ouais, voilà. Donc, Ouais. tout ça, Ça on se rend s'étudie, ouais. compte, en fait, aujourd'hui, ça s'étudie et on se rend compte qu'il y a plein d'alternatives qui, souvent, sont plus coûteuses. C'est pour ça qu'on pollue comme des sauvages. C'est parce qu'on est constamment dans la recherche de bénéfices. Tu vois, mais la réalité, c'est qu'il y a des alternatives qui sont peut-être plus coûteuses, mais qui sont certainement nettement plus clean et Ah, souvent. mais le jour où on arrête de penser money first, le monde, Voilà. il change de visage, hein. Et c'est Ouais, ça. Et en en fait, sur mieux. ce projet-ci, tu vois, on s'est dit, dès le départ, on s'est dit, OK, what if money was not a problem? Tu vois, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas de souci à lever de l'argent et ça? Et on a décidé de le jouer comme ça, de se dire, on trouvera l'argent, l'argent se trouve, il y a beaucoup d'argent qui dort sur des comptes un peu partout dans le monde. On va trouver les moyens de mettre ce projet sur pied. Et tant pis, ça va Intéressant, coûter une c'est... blinde.
C'est culotté de penser comme ça, hein, mais c'est marrant, c'est ce que Cousteau disait. Je parlais mardi avec un ancien de l'équipe Cousteau, et il disait fais le film, t'inquiète pas de l'argent, tu le trouveras. J'ai en fait exactement la même chose. Il dit, ça coûte cher hein, comme approche, il me dit, mais... Oui, c'est ça. Alors, mais ça c'est toujours le problème, mais il faut rester semi-réaliste, quoi. Ouais, mais on trouve des solutions. En fait, tu vois, on trouve des solutions. Il faut être capable de prendre des risques. Et je pense qu'on va trouver des solutions. mais j'ai Je pense adoré. que moi, Oui, vas-y. ce que je dis toujours, c'est que c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. C'est un truc que j'ai entendu récemment. Et en fait, la réalité, c'est que si ton projet tient la route, qu'il est solide, qu'il fait sens, tu vois, Il inspire. qu'il inspire, qu'il fédère, l'argent, après, ça suit. Donc, il faut surtout, en fait, et ça, c'est un message que je peux passer à tous les wannabes aventuriers, c'est qu'en fait, il faut un bon projet. Et il faut mettre de côté ce qu'on a envie de faire. Bah, moi, si demain tu me disais tu veux faire quoi, bah, j'achèterais un petit bateau de 30 pieds, je partirais en solitaire ou avec ma famille. Et puis voilà. Mais se dire, OK, non, mais moi j'ai envie de faire passer un message, voilà ce qu'on va faire, truc. Et de se dire, OK, on va trouver des solutions, on va bien s'entourer. Mais surtout, on doit bien définir le projet. Et là, on travaille depuis presque 3 mois sur le pitch, sur le design, sur le logo, sur l'intention, sur l'éthique de l'équipe, tu vois, et on essaie de rien laisser au hasard, quoi. Et on est dans un monde où maintenant, on a une responsabilité parce que, tu vois, nous, pendant longtemps, on partait aussi en... Enfin, il y a tellement de sujets importants et intéressants, tu vois, et par exemple, dans nos équipes, on est de plus en plus en train de réfléchir aussi à comment incorporer des filles dans nos équipes, parce qu'on parle beaucoup de gender equality, tu vois, et en fait, ou de diversité, et c'est vrai que nous, on est très belgo-belge, tu vois, et en fait, on se dit, mais non, il faut vraiment qu'on s'ouvre culturellement, qu'on ait des équipes beaucoup plus mixtes, qu'on ait... Donc, on choisit nos combats, mais on en a plein, mais on essaie vraiment de redéfinir complètement notre manière de travailler. Et il faut être capable de se remettre en question constamment, tu vois, dire, attends, c'est bien, mais on aurait pu faire mieux. Et puis d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe dans le monde et de l'évolution. Et quel sera le monde de demain et quel est le monde qu'on veut pour demain? Et comment est-ce qu'on peut être avant-gardiste à ce niveau-là, quoi? Ouais. Oh, trop génial. Tu as parlé de plein de choses que j'ai adorées et qui me font penser à d'autres interviews aussi. Bah, c'est des choses dont on ne se croit pas capable. Je repense toujours, moi, ça m'aide aussi de repenser quand François Den me disait oui, quand j'ai entendu qu'il y avait un mec qui avait couru tout le GR20 en Corse, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, j'avais essayé de le faire. On a sué, on a vite retourné à la plage. Bah, c'était même en marchant. Hein. Et il a dit, alors faire ça en courant. Et finalement, il a eu un record, il a eu un record sur le GR20 qui a été repris depuis. Mais tu te dis, c'est génial quand tu vois quelqu'un d'un aussi haut niveau qui s'est cru complètement incapable de ce dans quoi il allait être le meilleur un jour, quoi. Et ça, c'est très rassurant, je trouve. Et Moi, j'ai. dis-toi que tous ceux qui excellent dans un domaine aujourd'hui ont commencé from scratch. Tous. Donc, tu vois, le soleil se lève tous les matins pour tout le monde, tu vois. Je veux dire, la réalité, c'est que on se rend pas compte. On va toujours trouver. Et c'est dommage, parfois j'entends les gens justement parler, tu vois, d'un François Dan. Oui, mais bon, le gars, il habite en montagne. Oui, mais il a le temps parce qu'il a de l'argent. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et tout le monde se trouve des excuses pour pas avoir fait ce qu'il fait ou lui donne des bonnes raisons d'avoir réussi à atteindre ce niveau. En fait, la réalité, c'est que le mec, il s'est réveillé le matin et il s'est dit, je vais bosser, quoi. J'y vais, je travaille, je m'entraîne, je me prépare, je m'entoure bien, je change de lifestyle, j'ai une discipline, tu vois. Et bon, là, on parle un peu plus d'une dynamique entrepreneuriale, mais la réalité, c'est que quand tu as un projet, si vraiment tu mets de l'énergie et que tu y vas, tu vas atteindre tes objectifs. J'aimais bien Et aussi, il y a quelqu'un c'est que tu connais bien, c'est Maxime Richard, il est aussi dans les Team Red Bull là, avec Ouais, il toi. est adorable, Il est Max. génial Ouais. et j'avais l'interview aussi. Super J'ai copain. toujours retenu aussi quand il disait il faut la motivation de son objectif, mais il faut aussi connaître l'implication. Il faut les deux. Et donc, savoir ce qu'il va falloir sacrifier, oui, quelque part, pour l'atteindre. Et donc, c'est cette discipline qui manque aussi à beaucoup de monde. Et je crois que les gens rêvent très fort. Et puis après, quand ils voient l'implication, justement, que va demander leur objectif, ils disent, oh là là, oui, mais. Et alors, on se trouve, ouais, mais ça va être trop difficile. Ben non, ça, c'est pour les gosses de riches. Ça, c'est. Et tous des trucs comme ça, quoi. Et donc, ouais, je repense aussi souvent à ce qu'il m'a dit de ce côté-là. Ouais, c'est Oui, et très puis vrai. Et les ça fait écho avec générations tout ce que tu dis. qui arrivent, elles sont démentes. Enfin, je veux dire, elles ont évolué dans un monde qui n'est pas celui dans lequel nous, on a grandi, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette espèce d'envie du tout, tout de suite, tu vois. Et alors qu'un projet de fond, enfin, moi, je dis toujours, tout ce qui vaut la peine,
d'être vécu, prend du temps, prend de l'énergie, est difficile à atteindre. Et c'est d'ailleurs ce qui donne beaucoup de goût quand tu arrives au bout d'une traversée, d'une chaîne de montagne et que tu as eu vraiment du mal pendant 25 jours. Ben c'est le moment de l'arrivée, il est fantastique parce que ça fait 25 jours que tu luttes comme un débile pour arriver au bout. Et en fait, cette approche du tout de suite, elle est tellement, c'est tellement triste et c'est négatif et c'est pas productif. Alors que se dire, OK, moi j'ai un objectif qui peut être assez ambitieux, tu vois, et de se dire, ben, tous les jours, je vais me rapprocher de mon objectif. Un Petit petit pas pas, par puis un petit petit pas, pas. puis un autre, et puis la bonne rencontre, et puis tu te fixes des mini-objectifs, des micro-objectifs. Il faut que je parle à un tel pour trouver mes canettes, il faut que je discute avec tel gars pour assurer le bateau, il faut que... Et puis tu avances et tu fais tomber toutes les portes les unes après les autres, et puis un matin, tu te réveilles et tu as un bateau d'expédition. On en parle aujourd'hui, et je te promets, mais je te promets que ce bateau va voir le jour. Tu vois, j'en suis certain, j'ai aucun doute là-dessus. Ça va être une question de temps, d'énergie et de beaucoup de sueur et de Oui, travail, c'est ça. Et pas se le laisser bateau verra le jour. décourager. C'est ceux qui se relèvent toujours. Et puis je dis parfois aussi, on dit, oh, il y a un truc trop bien, justement, je sais pas, j'ai ça, on me file tel contact, ça va marcher. Et en fait, ce contact-là va peut-être pas marcher, mais il va te faire avancer. Et il va peut-être t'amener vers un autre contact. Donc, ce n'est pas que nécessairement, dès qu'on se dit que et qu'il y a un contact, ça va marcher. Il ne faut pas se décourager aussi vite. Mais je trouve que parfois, tu as aussi les faux espoirs, mais qui te font avancer. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Donc, et qui ce te n'est font pas que c'est avancer. facile, ce n'est pas que la ligne est droite, mais petit à petit, que ça marche, que ça ne marche pas, que les succès comme les échecs te font avancer. Ouais, moi, souvent, quand j'ai atteint un objectif, la plupart du temps, juste avant de l'atteindre, j'ai eu un gros coup de frein, un gros moment dur. Et c'est toujours à partir du moment où tu décides de baisser la tête et de vraiment traverser le mur, tu vois, dire non, non, mais attends, tu fais the extra mile, que tu y arrives. Toujours, il y a un moment de setback assez important. Ça, c'est une chose. Et non, ce que tu dis est super intéressant parce que je pense aussi qu'il faut avoir confiance en la vie. Tu vois, il faut se dire que la vie est bien faite. Et même dans les moments compliqués, en fait, il y a toujours une raison. Et si tu regardes avec un peu de distance, tu te dis, ah, mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi ce truc sur le moment même, il t'arrive un sale truc et tu vas pleurer sur ton sort et tu vas te dire, ah, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, ça. Et puis, avec du recul, tu dis, ah, mais en fait, ça m'a permis de rencontrer telle personne ou parce que on ne s'est pas lancé là-dedans, on a évité de faire cette erreur. Et en fait, la vie est bien faite. Exactement. J'ai eu un accident, tu vois, assez grave où je me suis tout cassé. Je me suis pété les deux, enfin, plein de vertèbres. Mes deux hanches étaient ouvertes en deux. Enfin, j'ai eu un sale accident de parapente. Alors, sur le coup, tu te dis, bon, bah, ça y est, il va falloir réapprendre à marcher et tout. C'était horrible. Je m'étais dit, ça va être la pire expérience de ma vie. Et en fait, j'ai passé 6 semaines dans un lit à regarder le plafond. Et pendant 6 semaines, je ne pouvais pas bouger. Ça, c'est vraiment dur, tu J'espère vois. pour toi que le Vraiment plafond était beau. immobilisé dans une chambre d'hôpital. C'était très dur parce que tu laisses ton intimité à la porte, tu vois, tu dépends de toutes les personnes qui t'aident et tout ça. Mais ce qui était incroyable, c'est que ça m'a vraiment permis de réfléchir. J'avais jamais eu ces 6 semaines pour juste faire fonctionner mon cerveau. Et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée du bateau d'expé, du premier bateau. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à certains trucs et puis à appeler certaines personnes. Et puis aussi, tu fais le tri dans ta vie parce que tu te dis, bon, là, je me suis pété le dos, tout ce que je demande, c'est de retrouver une santé plus ou moins saine et de pouvoir recommencer à marcher. Et donc, tu fais aussi le tri dans ce qui est important et ce qui l'est moins dans ta vie parce que tu te dis, bon, en fait, parfois, je m'emmerde Je me avec des petites perds, ouais. histoires, je me fais plein de soucis avec des bêtises, tu vois, et en fait, la réalité, c'est qu'il y a des choses plus importantes. Et ça, en fait, a posteriori, c'était probablement une des meilleures expériences de ma vie. Voilà. Et donc, si tu fais confiance en la vie, tu te dis, OK, happens what happens, je continue à avancer et ça fait partie du process, alors il n'y a pas de problème. C'est une question d'attitude. Tu te dis, ah ouais, là, j'arrive face à un obstacle. Tu as deux manières de réagir. Tu peux faire demi-tour ou tu peux dire, ah, génial, un challenge, on y va, tu vois. Et c'est juste une question d'attitude. Ah, j'aime bien en chinois, je crois que le mot chaos ou crise, voilà, qui veut aussi bien dire chaos que chance, opportunité. Ça, Ah ouais. c'est assez sympa, je trouve, comme concept. Oui, tu as Chouette. pas mal de choses, point de vue mindset. C'est intéressant, cette histoire de parler à des étrangers, hein, un étranger tous les jours.
On ne se connaissait pas, donc voilà, pour aujourd'hui, tu as du bonus. Non, mais c'est génial parce que des fois, les gens sont surpris, tu vois, parce qu'évidemment, tu dois trouver une manière de connecter, quoi. Et donc, des fois, tu vois quelqu'un, ah, j'adore tes baskets, tu l'as trouvé où? Ça fait n'importe quoi. Et Ouais, c'est des gens vraiment qui te drôle. regardent, l'air de dire, c'est quoi ça? Ouais, mais après un certain moment, tu commences à reconnaître les profils qui vont réagir, qui vont Ouais. être contents de discuter et tout. Et puis, tu crées des liens, tu t'intéresses aux gens, les gens s'intéressent du coup aussi à ce que tu fais. Et en fait, c'est juste du lien social, on en a tous besoin. Ouais. Et c'est marrant parce qu'aux Açores, tu vois, c'est une petite île. Nous, on vit sur une île où il y a 15 000 habitants. Et en fait, tout le monde se connaît. Ah, ça c'est C'est une chouette, hein. grande famille. Et donc là, c'est beaucoup plus tout à fait normal. Quand on arrive à la boulangerie avec Jack, petite dame va venir, va vouloir jouer avec lui, va vouloir lui demander son nom, va discuter. Tu vois. Au début, ça me paraissait un peu bizarre. Tout le monde me parlait. Je me disais, c'est bizarre. Tu vois. Et en fait, une fois qu'ils t'ont vu 10 fois, ils se disaient, ah, ben, le gars, il vit ici, donc c'est pas un touriste. Et c'est très chouette. C'est très chouette en Ouais. fait de revenir sur ces valeurs un peu communautaires. Ça, c'est très Et sympa. t'as d'autres petits challenges que tu te mets comme ça? Parce que Non, c'est ça c'est marrant. vraiment un des trucs. J'ai commencé ça un jour parce qu'un copain m'avait dit c'est marrant, je fais ça. Et en fait, donc des fois, tu vois, il est 10 heures du soir, je dis tiens, j'ai pas causé à mon étranger aujourd'hui, tu vois. Et puis je sais trouver une pompe à essence, je m'arrête 5 minutes. Et non, non, c'est drôle. Et non, j'ai pas tellement de petits challenges comme ça, mais là, j'essaye justement. Je suis dans une réflexion pour le moment parce que je dois m'entraîner pour le Red Bull XL, tu vois, qui arrive à la fin de l'année. Et donc là, je suis en train de réorganiser mes journées et d'essayer de vraiment revenir sur une discipline d'entraînement. Et on parlait du mot discipline, c'est un mot qu'on n'aime pas parce qu'on n'aime pas la discipline. Enfin, tous les enfants qui ont été à l'école, tu vois, n'aiment pas trop ça, rester assis sur un banc pendant 6 heures. Mais moi, je trouve la discipline, c'est quelque chose d'assez intéressant, tu vois, d'être capable de se dire, OK, en fait, j'ai pas envie de me lever demain matin à 6 heures pour aller courir. Ça ne me motive pas. Mon réveil va sonner, je vais avoir envie de l'éteindre et de retourner dormir. Mais ce qui est génial, c'est que si tu tiens le coup et que tu dis, allez, go, on y va, 10 minutes plus tard, tu es dans la nature, tu as un lever du soleil magnifique et tu regretteras jamais d'être sorti. Et en fait, la question, c'est d'être capable de se dire, allez, on y va. Et on y va tous les jours. Et on En plus, tu as la s'entraîne. fierté de toi, qui augmente ta confiance en toi, ce qui fait qu'il y a plus de choses qui roulent, Exactement, quoi. tu te sens capable d'atteindre des objectifs, tu vois. Et puis, même physiquement, tu te sens mieux parce que tu évacues le stress, parce que tu fais de l'activité physique et tout ça. Donc, c'est vraiment une question de se dire à un moment, OK. Se fixer des objectifs et se dire, OK, moi j'ai envie de. Ça peut être des tout petits objectifs, ça n'a aucune importance en fait. Je demande à personne d'aller courir un marathon dans 3 mois, tu vois. C'est juste de se dire, OK, maintenant je vais avoir une discipline. Et c'était un peu comme la discipline de faire son lit le matin, tu vois. C'était de se dire, tu te réveilles et tu commences ta journée avec une petite discipline. Voilà, tu es quelqu'un de structuré et Oui, j'avais entendu je un trouve ça moine intéressant. qui disait qu'on apprenait ça quand il arrivait au monastère, moine bouddhiste, disait on n'a pas grand-chose, mais le matin, on fait son lit, on part sur un premier bon point. Voilà, comme si tu mettais Ouais. de l'or dans ta tête, c'est très marrant. Donc oui, voilà. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est, je veux dire, vraiment, on doit utiliser toutes ces petites techniques, Je crois que j'ai tu pas vois, fait mon lit pour. ce matin, merde. Mais Ouais, j'ai la chambre, j'ai je l'ai encore la fait. chambre. Mais non, mais c'est chouette parce que tu vois, dans ton cas, par exemple, avec le podcast, ben, tu dis, OK, je fais ma liste des gars que j'ai envie d'interviewer, je prépare ceci, je prépare cela et ça. Et puis, ce qui fait qu'un jour, tu réussis à faire des podcasts hyper qualitatifs, tu vois, mais ça ne s'est pas fait en un jour. Ah non, ça c'est clair. Tu vois, J'avais tu m'as ma wish envoyé, list et tout. ouais, Ouais. tu m'as envoyé, tu vois, la marche à suivre pour les enregistrements et ça. Le truc, il est hyper huilé, hyper, hyper propre, hyper organisé, hyper structuré. Tu vois, ça prend du temps. Ça demande de l'énergie, ça demande. C'est pas juste une conversation. Et je trouve ça génial. Et si tu et plus tu te penches sur ton projet et plus tu mets de l'énergie là-dedans, mais plus tu t'améliores en fait. C'est une Ouais. question de pratique. On Et dit puis qu'il faut parfois, 10 000 c'est. heures pour être bon dans quelque chose. Et puis parfois aussi, c'est marrant comme les retours arrivent au bon moment. Ou parfois, tu te décourages, là, tu dis off. Et que comme si tu avais un petit coup de pouce qui arrivait pour te dire non, mais t'es Ouais. sur la bonne voie, vas-y. Je me souviens toujours un matin où je me disais qu'est-ce que je fais, tu sais, les gens ne se rendent pas compte que pour allez, 5 minutes d'audio, c'est 1 heure de travail pour moi, Ouais, facilement. c'est clair. Et donc, avec tout le travail que je fais, parce que j'édite beaucoup derrière pour que le son soit vraiment bien, que ça mette l'invité en valeur et tout, enfin, bon, bref. Et un jour, j'étais dans mon lit le matin, justement, tu sais, le jour où tu n'arrives pas à te lever, tu dis oh, purée, dur, quoi. Est-ce que je vais vraiment faire ça? Où je prends ma journée pour moi, faire ce qui me plaît, etc., plutôt que d'être collée devant mon écran à couper du son, là. Et puis, j'étais en train d'interviewer René Osey, c'est aussi
réalisateur sous-marin et celui qui a fait Thalassa pendant des années, Ouais. des années. Il le fait toujours, je crois. Et c'est quelqu'un de génial. Et je l'avais interviewé la veille, on devait faire une deuxième partie, et il m'avait envoyé pendant la nuit, parce que lui, il était à l'autre bout du monde, là, des chants de baleines. Alors tu te réveilles et je dis, Wow. tiens, au fait, cette nuit, j'ai enregistré des chants de baleines, si ça t'intéresse, pour mettre dans le podcast, tu te réveilles et tu entends des baleines à Magique. bosse qui chantent, et tu te dis, mais voilà, c'est pour ça que je le fais, c'est parce que je veux vivre des moments comme Dingue. ça, je veux les partager, je veux que ça fasse vibrer d'autres personnes. Et il y a eu plusieurs fois comme ça où je me dis, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je me perds, où tu as des petits encouragements comme ça, tout à coup un auditeur qui ne te connaît pas, qui dit, ah, voilà, j'écoute le podcast, un grand merci parce que je vais partir à la rencontre des peuples autochtones qui défendent des forêts. Je suis ingénieur en foresterie de Jean Blou. Je vais faire ça après mes Génial. études et j'ai pu contacter grâce à toi tel et tel invité qui ont été là-bas. C'est trop cool. Et tu te dis, ah, mais donc il y a quand même un petit impact. Il y a des choses qui se passent grâce à ça. Et là, tu dis, oh, bon, allez, ok, je continue. Ouais, et sans compter tous les gens qui ne te contactent jamais pour te dire que tu les as impactés, tu Mais vois. c'est Donc, ça, oui. non, non, clairement. Et c'est ça Clairement, et qui est. c'est ce que disait Mike Horn, tu vois, l'aventurier, il disait, si une personne qui lit mon livre, sur les milliers de personnes qui lisent mes bouquins, si je peux aider une personne à traverser sa journée, tu vois, à se surpasser ou à réagir différemment lors d'un coup dur, tu vois, en se disant que bah, Mike Horn a quand même fait le tour de la planète by fair means, sans motorisation, plein de situations très compliquées. Si je peux aider juste une personne, j'ai réussi. Ouais. Et je trouve que c'est vrai, en fait, en soi, tu vois, donc c'est vrai qu'avec ce que tu fais, tu fais passer des messages et je suis sûr que tu touches les gens, et beaucoup plus que ce que tu imagines, en fait, au fond. Et Ouais, puis bah, après, il y a tout grâce à le... votre temps aussi, merci à tous les Oui, invités. mais il y a aussi toute l'inspiration. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, tu vois, c'est, je dis toujours, lead by example, tu vois, c'est de... Après, moi, je dois m'améliorer dans plein de domaines, mais ce que je trouve très chouette, c'est d'aller, par exemple, là, dans 2 mois, je vais à Maretsu, justement, parce que tous les ans, les rétos qui sont sortis il y a 20 ans de Maretsu, moi, ça fait 20 ans, viennent parler de leur expérience professionnelle et essayer d'inspirer les jeunes, quoi, tu vois. Et j'ai déjà fait ça plein de fois dans des écoles, surtout dans des écoles plus compliquées, tu vois, dans l'enseignement technique et tout ça, et dans des écoles où il y a un peu de difficulté, d'aller discuter, d'aller parler avec les jeunes, essayer de les inspirer. Ça, c'est Et génial. le meilleur truc que tu puisses recevoir, c'est un message ou un mail ou d'un gars qui te dit, Ah, Tom, ton voyage m'a inspiré, j'ai retapé un vieux vélo et je vais partir jusque dans le sud de la France avec mon sac en autonomie complète et tout. Ça, c'est Donc tu te dis, bonheur. et ça, c'est génial. Et moi, je sais parce que je suis passé par là. J'ai envoyé un mail à Mike Horn quand j'avais 19 ans en lui disant, je vais aller jusqu'à Istanbul en paramoteur en partant de la Belgique. Et à la moitié du voyage, il m'a renvoyé un message en me disant, ah, je vois que tu avances bien, courage, continue comme ça, c'est super. Ah, Et top. clairement, c'était de sa faute. Enfin, c'était grâce à lui ou de sa Ouais, faute. Mais clairement, j'avais lu Latitude Zéro et j'ai dit, mais qu'est-ce que moi je pourrais faire? Un truc qui. Le gars m'a inspiré. Et donc, si aujourd'hui, à ma petite échelle, je peux essayer d'en inspirer un ou deux aussi, c'est génial. c'est top. Moi, ma petite fille qui est revenue toute excitée hier de l'école en disant, ouais, on a vu un grand monsieur, il devait se baisser pour passer la porte. Mais c'était Harold, l'auditeur, qui va partir. Et donc, Excellent. il va aussi faire pour les écoles, hein, comme ça, des petites communications. Et donc, il vient d'abord avant de partir dans les écoles. Et je me Génial. dis, waouh, ça, c'est une chouette. C'est tous des cercles vertueux et c'est à la portée de tout le monde, quoi. Tous ceux qui À écoutent, fond. n'hésitez pas. Il y a des écoles qui sont très demandeuses de plein de choses et il y a plein de messages à faire passer. C'est trop génial. Ouais, vraiment. À fond. Le fait qui t'a le plus appris, à mon avis, on a déjà parlé de ton lit d'hôpital, c'était pas mal. Il y a d'autres choses, des gros fails qui te... Ah ouais, finalement, comme on disait, hein, c'est justement, on rebondit, c'est Oui, incroyable ce écoute, qu'on peut apprendre avec une claque. Hein. j'ai eu 3 accidents en 3 ans, tu vois, des trucs assez sérieux. Et parce que j'avais à ce moment-là un peu ce qu'on appelait le syndrome champion du monde, tu vois, je faisais moins attention, je pensais que j'étais indestructible, tu vois. Et là, j'ai vraiment dû apprendre après à écouter mon intuition. Parce qu'à chacun de ces accidents, le matin même ou pendant l'action, tu vois, par exemple, j'ai un accident... Un peu sérieux quand même, où j'ai perdu 2 phalanges à ma main droite. Donc, tu vois, il manque un Oui, morceau. bonjour. Et ça, c'était un accident que j'ai eu avec Sean Villanueva et Nicolas Favres. On Tu était fais en plus train de le V de la grimper. victoire, tu fais un J de la victoire Ouais, maintenant. voilà, tu vois. Non, mais ça, je le vis super bien, tu vois. Et c'est un peu ma main d'aventurier. Donc, tu vois, c'est drôle parce que quand j'étais au Pakistan la première fois avec Sofia, je lui ai dit, ouais, je trouve ça assez classe, tous ces porteurs d'altitude qui ont des phalanges en moins, parce qu'eux se gèlent les doigts et puis ils se font couper les phalanges. Je trouve ça, tu vois, je sais pas, j'avais une espèce de.
Je trouvais ça assez impressionnant. Et puis le jour où j'ai appelé Sof pour lui dire que je m'étais fait arracher la main par un rocher, elle m'a dit, ah, mais c'est juste ce que tu voulais. Super bien réagi. T'es pas Mais non, mais je te pianiste, parle de toi, ça ça. va. Je te parle de ça parce qu'on faisait un documentaire et on était en train de grimper sur une voie vierge, un truc qui n'avait jamais été grimpé. Et à la deuxième longueur de corde, à 80 mètres du sol, je dis à Sean et Nico, eh, je le sens pas trop. Je le sentais pas, tu vois. J'avais un mauvais pressentiment depuis le début de la journée. Et tout était filmé. J'avais une caméra sur la tête, eux avaient une caméra sur la tête. Et je leur dis, ouais, les gars, j'aime pas trop, il y a des cailloux qui tombent. Je sais pas, je pense que j'ai pas le niveau. Et eux, c'est des grimpeurs pros, tu vois, ils attrapent les rochers du bout des doigts, tu vois, ils Ouais. font jamais rien tomber. Oui, Mais c'est pas moi, n'importe j'avais qui besoin de ces faire gars. un peu plus d'efforts. Et à ce moment-là, ils me disent, OK, monte avec nous sur la vire, on va tirer un rappel et on va te redescendre. Et à ce moment-là, je mets les deux mains sur un rocher et tout part, quoi. Mais un truc gros comme un frigo, Oh. toute la paroi s'arrache. Oh. Et je tombe avec. Et heureusement, la corde n'a pas été sectionnée, mais dans la chute, ma main s'est fait écraser par le rocher. Et vraiment, une minute avant, je le dis, et c'est filmé, et je le dis, les gars, je ne le sens pas trop, j'ai un mauvais pressentiment, j'aime pas trop ça. Et en fait, je pense que c'est super intéressant d'écouter ou d'apprendre à écouter son intuition. Parce que, bon, on parle beaucoup d'instinct et d'intuition. L'instinct, c'est animal, tu vois, c'est une chose. Mais l'intuition, c'est basé sur l'expérience, en fait. C'est toutes les expériences acquises qui, à un moment, te disent, attends, dans cette situation-là, attention, sois un peu extra careful, fais un peu plus gaffe. Et quand j'ai eu mon accident de parapente, c'est la même chose. Le matin, je ne le sentais pas. Quand j'ai eu mon accident à la main, même combat. Et en fait, je me suis vraiment, la leçon que j'ai appris de ces fails, c'est vraiment d'écouter son intuition. Comment Et tu fais la ça. différence entre une peur simplement parce que tu vas faire quelque chose de difficile mais dont tu es capable, mais tu as une appréhension, ou vraiment une sorte d'avertissement que tu as dans le corps qui t'arrive là? C'est très particulier et comme tu le dis, c'est dans le corps, c'est dans les tripes, tu le sens. Tu sais pas pourquoi, c'est pas l'expliquer, mais si tu es un petit peu à l'écoute, tu vas le sentir. Et encore une fois, tu vois, je sais que ça semble un petit peu ésotérique comme ça, tu vois, mais Non, je crois vraiment. qu'on a, nos sens animaux sont super développés et on a oublié comment les Ouais. utiliser. Et c'est pas Je vais te donner un ésotérique pour moi, exemple très c'est. simple. Tu vois, je vais te donner un exemple super simple. Ça t'est sûrement déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et d'avoir un mauvais pressentiment, tu vois. Moi, je dis toujours, la première impression est souvent la bonne, surtout si elle est mauvaise. C'est-à-dire que si t'as pas un bon feeling quand tu rencontres quelqu'un, parce qu'il a peut-être pas des bonnes intentions, tu vois, c'est vraiment un truc qu'il faut écouter. Parce que 99 fois sur 100, ça va se valider dans les 2 prochains mois, quoi, tu vois. Tu vas avoir une mauvaise surprise, on va te faire un sale coup ou un truc comme ça. Et en fait, on a ça en nous, on lit les gens et ça va être dans leur comportement, ça va être l'expérience que tu as accumulée humainement à travers tes voyages et tout ça. Mais tu vas sentir que l'intention n'est pas bonne ou tu vas sentir quelque chose. Et en fait, souvent, tu vas pas l'écouter. Tu vas te dire non, mais bon, le mec, ce qu'il me propose, c'est quand même vraiment chouette. C'est vrai qu'il y a un sentiment un peu bizarre, il y a quelque chose de bizarre, mais bon, quand même, les arguments sont bons. Et ça, et tu vas essayer de te convaincre qu'en fait, tout va bien. Et puis tu vas te faire arnaquer ou tu vas avoir une sale expérience. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en fait, là, c'est juste un exemple. Humainement, c'est intéressant de l'analyser comme ça. Mais en expé, c'est la même chose, sauf que là, tu risques un peu ta vie. Et donc, pour nous, par exemple, et pour répondre à ta question, la gestion du risque pur, tu vois, pour faire la différence entre la peur justifiée ou juste. On a des outils. Et moi, un de mes outils, c'est quand j'arrive sur un décollage de parapente, par exemple, j'analyse 3 choses. J'analyse le premier truc, c'est mon entourage, enfin ce que j'ai autour de moi, my surrounding, comme on dit en anglais. C'est OK, quel est le vent? Quels sont les nuages? Quelles sont les conditions? Est-ce que l'endroit il est facile à décoller? Est-ce que c'est raide ou est-ce que c'est pas raide? Est-ce que j'ai déjà décollé de là ou pas? Est-ce qu'il y a une ligne électrique pas loin? Tu vois, quels sont les dangers? Donc ça, c'est vraiment l'analyse au sol, quoi, tu vois. Le premier point. Le deuxième point, c'est mon analyse personnelle. Comment je me sens? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que j'ai renversé mon café au petit-déj ce matin? Ou est-ce que je suis plutôt dans un bon mood? Est-ce que je me suis fait larguer par ma copine? Ou est-ce que émotionnellement je suis bien? Tu vois, ça c'est vraiment important. Donc, et si tu fais un scan, tu te poses cette question, quoi. C'est simplement de se dire, ouais, en fait, j'ai 10 heures de décalage horaire dans les dents. Tu vois, je suis crevé, je n'ai pas mangé, j'ai soif et plein de choses. Mais ça te permet de faire un scan. Et puis le troisième point, c'est ta mission. Pourquoi je suis venu? Ah, je suis venu pour décoller et faire un vol de distance. OK. Si dans ces 3 points, tu vois, il y a trop de feux au rouge, il faut juste pas y aller.
Voilà. Mais si par contre tu le sens bien, dis attends, ma mission elle est claire et je peux l'atteindre et je me suis entraîné, je me sens bien mentalement et tout va bien, j'ai bien mangé ce matin, j'ai pas renversé mon café et le décollage il est assez facile et il ne devrait pas présenter trop de difficultés, et ben, les feux sont verts et tu peux y aller. Et en fait, souvent, c'est le fait de se poser ces trois questions ou en tout cas de prendre une minute pour analyser ça, ça te permet d'isoler certains dangers. En tout cas de les voir. Et parce qu'on pense parfois qu'on a tellement d'expérience que tout va bien se passer et on le prend pour acquis. Mais en fait, ça fait du bien juste de prendre 5 minutes pour analyser ça. Et en fait, ça peut se faire dans tous les domaines. Tu vas rentrer dans un rendez-vous, ben, bim, 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 tu passes par tes trois phases, tu vois. Tu vas aller à la rencontre de quelqu'un ou tu vas te lancer dans un défi sportif ou tu as un objectif pour ta journée. Et c'est hyper simple, en fait, hein, mais ça permet quand même de voir un peu plus clair, je pense. Wow, j'adore. J'adore. Merci. Ouais. Le succès dont t'es le plus fier. Ça demande évidemment de définir le succès, ce qui est très intéressant. Ouais, je pense vivre de ma passion, quoi, au Ouais. sens large du terme, tu vois, d'avoir pu. On me demande souvent, c'est une formule que j'utilise souvent, mais on me demande souvent comment tu as fait pour vivre de ta passion. Et je dis ben, qu'en fait, la réponse est dans la question, c'est la passion, tu vois. Être passionné et être parfois un peu monomaniaque, tu vois, ça m'a vraiment fait vivre des trucs incroyables, quoi. Et donc, ça, si je devais souhaiter le meilleur à qui que ce soit, ce serait de souhaiter à quelqu'un d'avoir une passion, d'être curieux, de partir à la découverte de ce qu'on aime, tu vois. Et je dirais que c'est ça, d'aujourd'hui pouvoir me retourner sur les 20 dernières années et me dire, j'ai fait ce que j'aime, quoi. Ça, c'est chouette. Même si, soyons francs, tu vois, il y a plein de difficultés, je passe beaucoup de temps. Tu parlais tout à l'heure des montages qui te prennent des heures pour 5 minutes de son. Tu sais de Moi, quand quoi je parle, je ouais. monte une XP, c'est des heures de logistique et de coups de fil et d'autorisation à demander pour aller voler au Pakistan et les trucs. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup de difficultés. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ah, mais toi, tu as une vie parfaite, tu passes ta vie à voler en parapente. Mais Mais le bien sûr. parapente, c'est vraiment le tip of the J'en fais matin, iceberg. midi et soir. Voilà. Voilà, tu vois, d'ailleurs, j'aimerais voler plus. Là, tu vois, je suis en Ouais. train justement de redéfinir un peu mes timelines et mon lifestyle parce que je sens que je m'éloigne un petit peu de ma passion pour le moment, parce que mes projets prennent beaucoup de place. Et donc, j'ai envie de retourner Ah ouais, non, on est dans la même un peu réflexion. Je suis tout le temps simplifier devant tout un ordi ça. alors que j'adore être dehors. C'est ça que j'essaie de faire passer. Bon, il faudrait les temps que j'y Ouais. retourne un peu aussi. Ouais, voilà. Mais alors, ça peut se faire, tu vois. En optimisant aussi, tu vois, il faut penser à l'optimisation. Tu veux dire, bah, je peux me lever 10 minutes plus tôt, je peux, tu vois, être un peu plus rapide sur certains de mes process, je peux me donner des règles ou en gros, moi par exemple, il y a un truc que je fais maintenant, c'est que souvent je réponds plus au téléphone avant 11 heures du matin, quoi, tu vois. Je suis pas dispo, c'est tout. Et la première fois que le sponsor essaie de m'appeler, il me dit, oh, j'ai essayé de t'appeler ce matin. Et je lui dis simplement, très gentiment, ah, en fait, moi, je réponds pas au téléphone le matin parce que je suis en entraînement, je suis pas disponible le matin. Et la deuxième fois, il m'appelle l'après-midi, Toi, t'as c'est lu tout, Tim tu vois. Ferriss. Ouais, non, mais en fait, Je le fais aussi. ouais, j'ai lu Tim Ferriss, ouais, tout à fait. Mais c'est important parce que ouais, de se raréfier, tu vois, et de en fait, c'est toi qui définis les limites. Et c'est important de le faire. Et sinon, on est constamment dans la réponse, dans l'immédiat, et ça amène rien de bon, tu vois. Il faut trouver un peu d'indépendance, je pense, à ce niveau-là. Donc, et essayer de combiner. Bon, c'est toujours une recherche d'équilibre, hein, personne ne le trouve vraiment, hein, au bout du compte. Très éclair. Et quand on veut se lancer dans une vie justement qui est faite de passion, il y a beaucoup de freins. Alors, quels sont tous les conseils à ne pas suivre, à ne pas écouter? Parce qu'on reçoit beaucoup dans ces cas-là en disant, mais enfin. Mais j'avais cette conversation récemment avec un ami qui me disait que, et ça m'a fait réfléchir, il disait, même les gens les plus proches de toi, tu vois, et qui t'aiment beaucoup et qui ont plein de bonnes intentions, tu Vont vois, te freiner. assez naturellement vont te freiner. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a un Surtout processus eux, à comme la ça. limite, ouais. Ils Ouais, ont tu peur vois, pour toi. Ils t'aiment, ils ont peur pour toi, ils veulent pas qu'il ils t'arrive ont quoi peur que ce pour toi, soit. mais des fois, c'est presque malheureusement plus vicieux que ça, tu vois. C'est que quelque part, ils veulent le mieux pour toi, mais d'un autre côté. Tu vois, c'est toujours un peu, il y a une espèce de concurrence parfois malsaine, tu vois, je sais pas. Je comprends pas toujours les procédés, tu vois, mais Mais ce qui est si tu sûr, t'étais c'est pas que. fracassé 3 fois, tu ferais peut-être un peu Ouais, pour un peu à maman. voilà, non, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, tu vois, j'ai toujours été soutenu dans mes passions. Mes parents m'ont toujours aidé d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas Ah, encouragé. ça c'est Mais précieux. clairement, à un moment, tu vois, je me rappelle que ma mère, par exemple, me disait, mais est-ce que tu penses vraiment que tu vas pouvoir vivre de l'air? Tu vois, parce que je voulais vivre de ma passion. Parce qu'elle était inquiète, tu vois. Elle disait, est-ce que le mec va vraiment pouvoir gagner un peu sa vie et assurer une famille et tout ça avec un parapente, quoi. Et en fait, la question, c'est de constamment se réinventer,
d'ouvrir une nouvelle porte, d'essayer de, ouais, d'être inventif, quoi, vraiment. Et en fait, ça s'est très bien passé. Mais je pense que si je devais ne pas trop écouter, c'est en tout cas pas laisser la peur, la crainte et tous ces freins-là venir jouer un rôle. Surtout quand tu as entre 18 et 25 ans ou 18 et 30 ans, quoi. Parce que je veux dire, tu sors de réto. T'as pas de crédit sur le T'as pas dos. un, bon, tu te prends pour le roi du monde, mais en gros, t'as pas encore vécu grand-chose, tu vois. Mais t'as pas de crédit sur le dos, t'as pas d'enfant à charge, tu vois. Imaginons, je veux dire, essayons d'imaginer la pire situation quand t'as 18 ans, hors problème de santé, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à gérer. Mais je veux dire, dans le pire des cas, si tu te plantes et que tu plantes ton business, tu iras dormir dans le canapé de ton meilleur pote ou tu iras, tu vois, on a quand même tous des petits réseaux, des amis, la famille, tu vois, et tout le monde est là pour te soutenir. Donc, tu risques pas grand-chose dans l'absolu, à part Ouais, tu sais apprendre. qu'Elon Musk avait, j'ai pas quelqu'un que j'admire particulièrement, mais je trouvais ce mindset intéressant. Il avait fait l'expérience de voir ce que ça faisait de vivre quand on a 3 $ par jour, quoi, quelque chose comme ça. Et donc il a été dans les trucs, les refuges pour sans-abri, voilà, soupe populaire, tout, quoi. Et il s'est dit, bah tiens, même avec seulement 3 $, je créerai pas de faim, quoi. Et il s'est dit, bon, du coup, go, il peut rien m'arriver. Ouais, le gars, et tu vois, il dormait dans son usine quand ça allait pas bien, à même le sol. Et c'est sûr qu'il faut être prêt à sacrifier un peu de son confort, mais je pense que c'est l'époque de tous les risques, quoi. Tu vois, t'as l'impression, j'entends des gars à 25 ans me dire non, mais je vais avoir un trou dans mon CV parce que je pars 4 mois en Amérique du Sud. Je suis là, tu déconnes, quoi. Tu vois, de quoi tu parles? Enfin, je veux dire, non, désolé, mais tu Ah, je l'ai vois, entendu partir. aussi ce coup-là, ouais. Faire une expérience à l'étranger, apprendre une langue, ben c'est un diplôme en plus. La réalité, c'est que ça va Clairement. t'ouvrir les yeux sur plein de choses. Tu vas culturellement, tu vas découvrir plein de trucs. Tu vas revenir avec des nouvelles idées, des choses auxquelles on ne pense pas ici. Tu vois, et clairement, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus appris, c'est les voyages. Les voyages, les rencontres d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Et c'est quand tu voyages que tu t'ouvres les yeux et que tu te dis, en fait, il y a tellement de manières de vivre sa vie. Exactement. Et nous, on est quand même un petit peu formaté, hein. On te met sur un banc à l'école en te disant, tu vas t'asseoir 6 heures par jour sur le banc, obéir et te taire, faire tes devoirs. Et puis l'idée, c'est un peu triste, mais c'est qu'après, tu continues et que tu ailles trouver un boulot où tu fais la même chose. Et en fait, il y a tellement d'autres manières de vivre sa vie qui peuvent être extrêmement intéressantes aussi. Et donc, il ne faut pas laisser ceux qui n'y croient pas te freiner, quoi. Complètement. Et Ouais. j'ai envie de faire passer le message aussi que c'est pas parce qu'on a plus 18 ans ou quoi que tout devient impossible. Plus Ah oui, compliqué, ça ça c'est on le va truc. l'admettre, mais petit pas par petit pas, c'est fou le chemin qu'on peut faire. À fond, à fond. Moi j'ai encore plus d'admiration pour les gens qui se réinventent complètement à 50 ans, tu vois, ou qui reprennent des études à 40 ans, qui changent complètement de formation, qui se découvrent une passion, tu vois. Je trouve ça encore plus génial, tu vois, que plutôt de. Et c'est pour ça que vraiment, c'était un truc que j'avais lu quelque part, je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça. Il disait, tu vois, tous les matins, tu te regardes dans la glace et tu te dis, est-ce que aujourd'hui, je suis la personne que j'avais envie d'être, en train de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois, ce que j'avais envie de faire, est-ce que je vais dans la bonne direction? Et si trop de jours d'affilée, la réponse est non, tu vois, que tu n'es pas à ta place, ça, bah, c'est que tu dois changer quelque chose. Carrément. Et il faut acter, quoi, tu vois. Et je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, c'est un petit peu comme l'exercice de la gestion du risque, tu vois, c'est de se dire, OK, comment je me sens? Et tous les jours, tu te poses la question, simplement en te brosser les dents, c'est une question de discipline, tu te dis, bah, quand je me brosse les dents, je me pose cette question. Mais qu'est-ce que je voudrais améliorer? Qu'est-ce que je voudrais changer? Est-ce que je voudrais passer plus de temps avec ma famille? Est-ce que je voudrais, tu vois? Et je pense que c'est redéfinir ses priorités constamment, c'est super intéressant. Parce que sinon, tu Ouais. rentres dans une routine où, en fait, tu vois, la routine fait la vie et puis la vie, elle passe et puis c'est vite C'est terminé, ça. Et on dit que quoi. ce qui a le plus important, c'est les copains et la famille. En fait, les copains et la famille, on les voit plus du tout. On passe très peu de temps avec eux parce qu'on est tout le temps dans le business. Donc, on est Ouais. vraiment en écart entre ce qu'on, pardon, entre ce qu'on dit qui est important et ce qu'on fait réellement. Et non, c'est clair que Tout à ça fait. Tu démontre sais, que. je donne des conférences régulièrement pour des grosses boîtes. Et j'avais donné une conférence au Cercle de Lorraine, qui est un cercle d'affaires assez important à Bruxelles. Ah, je vois. Et alors, en discutant avec les personnes, parce que bon, c'est tous des gars plus âgés, quoi, et qui ont des grosses carrières, ou si on sont en politique et dans des trucs qui sont quand même assez intense. Et moi, j'avais pas de leçons à leur donner. Tu vois, t'arrives, t'as 30 ans et tu viens parler de la vie à ces gars-là. Je veux dire, je me sentais pas tout à fait légitime. Mais en discutant avec eux, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la plupart de ces gars, la grande majorité de ce groupe,
Quand tu discutes un peu avec eux, ils te disent, en fait, c'est un regret, c'est que je n'ai pas vu mes enfants grandir, je n'ai pas passé beaucoup de temps, tu vois, avec mes gosses, j'ai fait passer mon travail avant tout, j'étais un workaholic, tu vois. Alors des fois, voilà, c'est un choix que tu fais, mais ça, je trouve c'est vraiment important, encore une fois, de définir ses priorités, tu vois, et de se dire, OK, c'est quoi les choses les plus importantes pour moi. Et quand tu fais une traversée de chaîne de montagne à pied en parapente, en autonomie complète, tout ce que tu emmènes avec toi, tu dois le porter, tu vois, dans ton sac. Donc, tu apprends à être minimaliste, à faire tes choix, tu vois, à dire c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ferai pas. Et en fait, tu te rends compte qu'au début, tu prends un sac qui est beaucoup trop lourd, souvent. À peu près une semaine, tu te retrouves à tout mettre dans un carton pour les envoyer par la poste chez toi, renvoyer ta tente parce qu'en fait tu peux dormir dans ton parapente, renvoyer, tu vois, casser ta brosse à dents en deux pour gagner 5 grammes. Et en fait, pour moi, ça a été une leçon de vie super intéressante parce que je le fais encore aujourd'hui. Je fais le tri, tu vois, dans mes amis, parce que tu as des relations qui sont toxiques et qui, en fait, ne te servent à rien, dans ma manière de fonctionner, dans les choix que je fais au niveau boulot. Avant, j'acceptais tout. J'avais toujours le sentiment de il faut dire oui parce que sinon, je vais rater une opportunité. Mais en fait, Ouais, non. scarcity Tu vois, mindset. Ouais, on l'a tous, hein, cette je peur-là. peux ne pas faire une conférence parce qu'en fait, je ne le sens pas ou que c'est au bout du monde ou que le gars, il est juste pas sympa, tu vois, ou ne pas accepter une interview ou ne pas accepter. Parce que je trouve que, voilà. Et en fait, être capable de dire non, être capable de faire ses choix. Et donc, d'où la nécessité de redéfinir constamment ses priorités pour savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire et où on va, quoi. Wow, super top. Il y a une citation qui t'inspire, un truc que tu dis souvent? Ouais, c'est Life begins at the end of your comfort zone. Tu vois, c'est que la vie commence à la fin de ta zone de confort. Et j'y crois vraiment. Je pense que si on reste tous dans notre vie un peu planqué et qu'on ne sort pas de notre zone de confort, on n'apprend pas grand-chose. Et en fait, tout l'intérêt de notre passage sur Terre, c'est d'apprendre, c'est de s'enrichir émotionnellement, tu vois, intellectuellement, c'est de découvrir de nouvelles choses. Si toutes les journées se ressemblent, tu vois, il n'y a pas tellement d'intérêt, quoi, au bout du compte. Carrément. Donc, C'est sortir de sa ça, zone de ça confort. ressort de ce que tu disais aussi quand tu disais l'incertitude, quoi. Quand tu te poses, tu dois marcher 6 jours et tu dis c'est là que tu te sens vraiment vivant. C'est dingue, on passe nos vies à essayer de maîtriser le risque, voilà, qu'il ne nous arrive rien et de s'entourer d'une sécurité pour l'avenir, pour ceci, pour cela. Et puis on s'emmerde. Ouais. Hein? Non, et puis souvent, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'on a excuse-moi, c'est ça en anglais, des high expectations, tu vois. Ouais. On Des attentes très s'imagine fortes, ouais. toujours que ça va être, tu vois, et c'est aussi lié au monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec, tu vois, tout le monde qui montre la meilleure facette de sa vie et tout ça. Et donc, tu as des attentes qui sont très fortes. Donc, ça fait 6 mois que tu attends de partir en voyage et puis tu arrives et il fait gris, il n'y a pas de soleil et il pleut pendant 2 jours et du coup, c'est la déception. Et en fait, c'est vraiment important d'être capable d'accepter les choses comme elles sont, les choses que tu peux maîtriser et celles que tu ne peux pas maîtriser. Et aussi, je crois, de juste laisser aller, tu vois, se laisser un peu aller et de justement éviter d'avoir trop de high expectations, tu vois, de se Lâcher faire des prise. films et de ouais, lâcher prise, relax, tu vois, tout va bien. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, tu vois, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Ouais, carrément. Moi, j'ai un petit maître zen à la maison. Quand elle avait 5 ans, une fois, je me souviens, ma petite fille, on voulait profiter de la journée. Elle dit, oh, il pleut. Et elle regarde la fenêtre, elle dit, ouais, super, il pleut. Je m'attendais pas à ça. Et puis, je lui dis, mais elle a raison. Mince, oui, il Ouais. pleut, c'est super. Non, mais à fond, mais c'est vrai. Mais quand tu sors d'une sécheresse, tu vois, comme ce qu'on a vécu cet été, tu vois, mon père agriculteur, quand il a vu la pluie cette année, on C'est a la presque fête. ouvert le champagne, quoi, tu vois. Ah oui, Ouais. non, mais vraiment, c'est Donc vrai tout que est une question en fait de de perspective, perspective, ouais. Mais là, c'était à l'époque où on avait encore de la clairement. pluie, on en avait même eu beaucoup. Mais Ouais. elle Bon, on avait en a raison. beaucoup en Tout est une Belgique. fête, mais on dit toujours, she's a party on her own. Vraiment, elle Génial. a un mindset, elle a vraiment de la chance. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posée? Non, non, écoute, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets, tu vois. Ah, moi, j'ai adoré, hein. Non, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette phase-ci de ma vie, c'est la difficulté et le challenge de gérer ma vie d'aventurier et ma vie de famille. Tu vois, et on en a pas, enfin, on l'a un petit peu abordé, mais c'est vrai que là, tu vois, d'être un peu toujours...
déchiré entre partir 6 semaines au Pakistan pour aller battre un record et, ou voir mes enfants grandir, quoi. Et ça, c'est vraiment pour le moment un truc qui est compliqué pour moi parce que j'ai très envie d'être hyper présent pour mes enfants. Et d'un autre côté, je suis qui je suis parce que je fais ce que je fais aussi. Ça me définit un peu. Et donc, et j'ai, dès le départ, je me suis dit que je n'allais pas changer ça. Mais en fait, là aujourd'hui, je suis en train de réorganiser mes timelines et d'essayer de voir comment je peux combiner tout ça. Et ce n'est pas facile. Non, c'est ce que je C'est me toujours une. question, je me pose souvent pour les aventuriers qui ont une famille, et je me dis femme très compréhensive quand même derrière Ouais, ça et ouais. déjà. Et puis, tu vois, et puis simplement, tu vois, quand tu as vécu quand tu as voyagé pendant 20 ans et que tu devais juste prendre soin de toi et puis faire ce que tu veux, ce que tu aimes faire tous les jours et tout, et puis toujours au lendemain, tu te retrouves avec des enfants qui sont juste déments, tu les vois grandir, tu as envie de vivre ça avec eux, t'as pas envie de rater la moindre étape, quoi. Ben oui, ça C'est change si vite. compliqué. Et d'un autre côté, tu vois, mes sponsors, mes partenaires m'attendent. Ils attendent du résultat, ils attendent du contenu, ils attendent des films, ils attendent Oui, c'est de légitime, oui. l'impact média et tout ça, c'est légitime. Et donc je dois trouver le bon équilibre. Et j'en parlais avec un coach parce que chez Red Bull, on a un centre d'entraînement pour sportifs de haut niveau à Salzbourg. Et donc j'y vais tous les ans pour aller voir un peu comment je me sens physiquement, faire mes tests de performance et tout ça. Et j'avais une chouette discussion avec lui et il m'avait dit, il y a un truc que tu dois vraiment accepter et c'est d'être grateful, tu vois, reconnaissant. Reconnaissant pour toutes ces années incroyables que tu as vécues de liberté totale, de voyage et de découverte, et reconnaissant d'avoir deux enfants en bonne santé. Et en fait, c'est des phases de la vie, quoi. Il faut accepter que la vie, c'est des phases, et qu'il y a une phase qui était l'école à Maritsou, puis il y a une phase qui était mes études, puis il y a une phase qui était tous mes voyages, et puis maintenant que ma phase aujourd'hui, actuelle, c'est de faire grandir deux enfants, tu vois, c'est une phase un peu plus familiale, et simplement se réjouir de ça et remercier, bah, le matin en se réveillant, remercier l'univers pour ce chouette cadeau, quoi, tu vois. Et c'est important. Et juste le fait qu'il me l'ait dit, ça a déclenché quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, il a raison, le gars. Tu vois, parce que je me plaignais un peu, je me disais, comment est-ce que je vais faire pour trouver l'équilibre et tout. Et en fait, non, just be grateful, tu vois. Et donc, c'est intéressant aussi. Et c'est important de se le rappeler, en fait, parce qu'on a quand même beaucoup de chance. Ah Toi, ouais. moi, mais la majorité des Belges, tu vois, même, il y a beaucoup de gens évidemment qui vivent des situations peut-être plus compliquées que les nôtres, tu vois, et aujourd'hui, dans un monde où il y a quand même pas mal d'incertitudes, c'est pas évident, clairement. Mais il faut pas oublier, et moi je le vois beaucoup quand je voyage, tu vois, qu'on est quand même dans des pays où tu as une sécurité Hyper assez privilégié, incroyable, ouais. on est hyper privilégié, on a accès à tout tout de suite, tu ouvres ton frigo, tu allumes le robinet, tu pousses sur l'interrupteur, tu as l'électricité. Mais tu vas te balader au Pakistan. Là, encore récemment, il y a un pont qui avait été arraché par les crues d'une rivière. On n'a pas eu de bouffe pendant une semaine. On a mangé du riz, enfin, tu vois, et on a perdu 6 kilos chacun. Et ça, c'était juste nous. Mais dans les villages, les gars, ils doivent se débrouiller. Tu vois des enfants qui ont faim, quoi, Ouais. qui souffrent de maladies qui n'ont plus de nom chez nous, qui n'existent même plus parce qu'ils n'ont Oui, pas accès à la des grosse vaccins. carence, hein, ou des, oui, des Ouais, et vaccins. donc en fait, parfois, ça fait un peu de bien de se rappeler que 80% de la population mondiale vit dans une situation qui est nettement plus compliquée que la nôtre. Ouais. Et que donc, tu vois, je pense qu'on a l'obligation un petit peu déjà de se contenter en partie de ce qu'on a, mais aussi surtout de se réjouir de ce qu'on a réussi à mettre en place et d'arrêter un peu de se plaindre. Et Tu vois. d'arrêter de se donner des excuses aussi, je trouve, c'est Ouais, d'arrêter de se intensif. donner des excuses, tu vois. Quand tu Après, vois c'est tout ce qui se facile passe pour dans le moi de monde, le tu te dire, dis, oui, tu vois, qu'est-ce que moi parce que j'ai pas ça fonctionne d'excuses pas trop finalement. mal et tout ça, mais tu vois, on a chacun, on a tous nos problèmes et nos histoires, mais si on reste à broyer, enfin, si on broie du noir toute la journée, on n'avance pas. Et ouais. Carrément. Super. Ton activité du moment, alors tes projets futurs, donc c'est le bateau. Il y a d'autres choses que tu as envie de mettre en avant? C'est le bateau. Écoute, ouais, je prépare plusieurs gros projets cette année, mais. Là, c'est un peu notre atterrissage dans les Açores, le déménagement. Donc, on part vivre sur une île au milieu de l'Atlantique. On a acheté il y a quelques années une ruine, hein, vraiment un tas de cailloux au milieu d'une prairie aux Açores, et on est en train de terminer la construction d'une petite maison. Et donc, on est là-dessus pour le moment. Et ça, c'est vraiment une phase géniale parce que c'est un choix que j'ai fait parce que les Açores, c'est un peu l'Europe d'il y a 40 ans, tu vois. Tout le monde se connaît. Il y a un feu rouge seulement sur l'île.
C'est très calme, c'est très relax. Et pour voir des enfants grandir, tu vois, et aller à la plage et être dans la nature tous les jours, je crois que c'est assez génial. Donc ça, c'est un de mes projets actuellement, c'est de mettre tout ça en place. On a un projet notamment là-bas de reforestation, Ah, top. d'agroforesterie et de permaculture. On va Génial. se lancer dans la fabrication de miel et tout ça. Donc on a plusieurs projets là-bas sur place aussi, qui sont vraiment tout à fait différents de ce que je fais dans ma vie de tous les jours, mais qui est plutôt l'envie d'une recherche d'autonomie. Tu vois, et de vivre à une vitesse un peu Un peu moins ralentie. folle, ouais. Ouais. Et puis à côté de ça, c'est un peu à l'opposé, mais on a ce très gros projet de bateau d'expédition qu'on est en train de mettre en place et qui va nous demander beaucoup d'énergie dans les prochains mois. Mais c'est assez passionnant, c'est chouette. Félicitations, que de beaux projets. Je crois que j'ai pas fini de te suivre alors. Merci, c'est sympa. Je compte sur toi. Eh ben oui, avec plaisir. Bon, Génial, mais écoute. merci en tout cas, MB, de me donner une voix, parce que c'est toujours chouette de partager un peu comme ça, sur une chouette conversation, ce qu'on a à dire, et puis ce sera l'occasion d'essayer de faire passer des messages, c'est cool, merci en tout cas.